e mm. A été mis au buzzer, littéralement. C'est-à-dire que là, il y a eu le buzzer beater. Hein. J'étais pas encore tout à fait prêt. Le casque n'est pas encore mis de manière tout à fait euh, saine et saillante. Mais euh, on est là ce soir pour parler Zack Snyder, le Snyder Hounet, la Justice League Snyder Cut. Alors, j'ai voulu faire un débat parce que je savais que 4 heures, ce serait énorme à digérer. Et que euh, globalement, ça pouvait être très intéressant à mon avis de, de, de laisser la parole aussi aux, aux, aux abonnés, au chat. Bon là, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais je pense que ça va venir par la suite. Euh, parce que bon, évidemment, 4 heures à digérer, c'est long. Il euh, y a eu une, vraiment une vidéo assez longue hein, que j'ai fait, une critique que j'ai publiée hier à 11 heures. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Euh, c'était euh, sur, euh, sur plus de 20 minutes, je crois, de, de, de Snyder Cut. Mais il y a beaucoup de choses évidemment à dire. J'ai eu l'occasion de faire un deuxième visionnage, ce qui était déjà le cas hein, au moment où la critique est sortie, mais enfin, quand même encore en plus en parler. Et puis, euh, c'était. Euh, euh, c'était, euh, comment dire, euh, c'était important aussi, je pense, de pouvoir vraiment en débattre avec vous pour avoir aussi votre avis sur un projet qui est quand même euh, lourd de sens, sur un projet qui tenait au cœur de Zack Snyder. Et qui est quand même bah, très très fort. Hein, je veux dire, le mec, il a quand même réussi à sortir 4 heures de film, alors que euh, ça fait des années et des années qu'il planche dessus. Tout le monde pensait que la Snyder Cut verrait jamais le jour. C'était beaucoup trop compliqué. C'était un joie, Personne ne voudrait le sortir. Il y avait le Covid. Enfin, vraiment, on était sur des conditions, euh, comment vous dire, pour que ce film-là sorte, qui encore quelques mois, voire même une année ou deux, était infaisable. Et qu'est-ce qu'on a eu ce 18 mars On a eu la Snyder Cut, donc 4 heures de Justice League pour reprendre ce qu'avait tant bien que mal essayé de rafistoler vite fait Joss Whedon en en faisant finalement un Marvel Like. Et le problème, c'est que là, on l'a vu hein, récemment, euh, que ce soit sur, euh, sur Twitter, sur euh, Facebook, enfin, tous les sites en ont parlé forcément. Tous les sites vous ont montré les plans de Joss Whedon en comparaison avec les plans de Snyder pour voir à quel point la version de, Joss, de, de Zack Snyder était bien meilleure. Et c'est le cas évidemment, euh, avec une fin. Très frustrante, avec une fin qui nous donne envie. Alors là, pour le coup, c'est pas la faute à Snyder, mais c'est aussi la faute de Warner qui. Eh bien, on a des doutes hein, sur le fait que ces mecs-là veuillent reprendre la franchise un jour, et on a des doutes sur le fait qu'il puisse y avoir une suite à Justice League. Zack Snyder, il croit pas trop non plus. Lui, il a dit qu'il aurait bien aimé pouvoir donner une suite à Justice League si on lui laissait l'opportunité de s'éloigner un peu des comic books, euh... mais il avait peur que pour la Warner, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, euh... donc voilà, il y a beaucoup de choses évidemment à dire sur cette Justice League. Mais la première question que j'ai envie de vous poser... C'est la même question que je vous pose en règle générale. Alors voilà, vous savez que je ne suis pas trop système de notation, mais ça va permettre de prendre la tendance dans le chat par rapport à ce que vous avez pensé de cette euh, Snyder Cut. Quelle note mettriez-vous à cette Justice League Snyder Cut, qui est donc sortie il y a maintenant 4 jours? Quelle note mettriez-vous? Euh, sans forcément comparer avec la version de Just Weddon, simplement le programme de 4 heures que vous avez eu l'occasion de regarder. Sur 10, on va faire sur 10, puisqu'on a commencé sur 10. Et les notes, les notes sont hautes. 10 sur 10, 8, 9, 18, 9, 7 sur 10, 17, 18, 9, 9, 9. Quand je dis 9, c'est 9 sur 10. 9 sur 10, 8 berntal sur un total, on aime ça de 10 berntal. Euh, 9, 8, 8, 17 euh, sur 20. 8,9, c'est précis. 18, 9, euh, 10 000. Là, c'est vraiment là, c'est les mecs qui sont chauds. 10 000 sur 20, on s'en bat les couilles. 9, 18, 10, 9,5, 17, 9, 9, pas vu. Alors pas vu, il euh, y aura des spoils hein, évidemment dans, dans ce débat. Donc malheureusement, n'hésitez pas à revenir dans la rediffusion si jamais malheureusement vous n'avez pas encore vu le film. Ça fait un combo double malheureusement, mais c'est quand même important de dire Joker sur 20. Ça j'aime l'idée, ça j'aime l'idée. On y reviendra, euh, on parlera. De la vidéo du joueur du grenier qui a dit que Jared. Mais il a le droit de le penser, alors là c'est pas du tout, voilà. Euh, mais euh, il... on reviendra sur le fait qu'il l'ait trouvé nul, 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 archi nul. Et beaucoup de gens dans les commentaires m'ont dit qu'il l'avait pas trouvé bon non plus. Donc on fera un vrai aparté sur le Joker pour que j'essaie vraiment de comprendre en fait ce qu'on peut encore reprocher à Jared Leto que j'ai trouvé excellent. Même si c'est que 10 minutes, je trouve qu'il apporte un truc de fou. Euh, donc c'est des globalement très bonne note Grime sur 10. Là, c'est du 100 000 sur 10, hein, littéralement. Sur côté sur 20. Mais ce sera bien d'avoir des, des avis négatifs aussi. Valo sur 10, <laughs> que du bonheur. Et merci beaucoup, Olive, pour le don. J'ai pas encore vu. Alors, je ne re resterai pas. Mais carrément, bonne soirée à tous. Carrément, <laughs> carrément, bonne soirée à tous. Je mettrai la rediff et la review dès que je serai à jour. Ça marche avec grand plaisir, Olive. Merci d'être passé. Et euh, d'ailleurs, euh, tant que tu es là... Je... Enfin, si tu es encore là, je, je précise. Hein, on est sur vraiment... On est sur la fin de la fin... Du montage du documentaire, voilà. Je le dis, j'annonce, puisque j'ai écrit le générique aujourd'hui avec tous les dons, enfin, euh, tous les noms qui, tous les, toutes les personnes qui ont fait des dons euh, sur le Hulu et sur le live des 24 heures, évidemment. Puisque c'était c'était euh, dans le deal hein, que vous soyez évidemment remerciés Et j'ai pensé à mettre euh, évidemment ton nom euh, là-dedans. Donc j'ai pensé à toi tout à l'heure. Et euh, on est vraiment pas loin hein, d'avoir la artworks cut euh, vraiment de, 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 de ce documentaire vivement qui puisse sortir. Mais on y est pour bientôt. Bon, bah, c'est des bonnes notes. Alors, globalement. J'espère que je suis... Non. Non. Toi, non. Non, parce que toi, justement, j'ai dit non vis-à-vis -vis de Fall Guys. Euh, non, je ne le mets pas. J'ai encore trop de re... <laughs> Mais bien sûr que tu y es. Quel claque ces dernières minutes. Merci beaucoup, Samy. On fera un gros aparté, euh, évidemment, sur la, le, le final. Merci beaucoup pour le don. La première chose que j'ai envie de souligner, et je pense qu'on sera, euh, sera tous d'accord là-dessus... Bah, c'est que ça a été une sacrée prouesse quand même de pouvoir réussir, ne serait-ce qu'à réussir à sortir ça. Vis-à-vis -vis des problèmes que, que, que Snyder a avec la Warner, il faut savoir que la Warner, donc c'est la société de, de, qui gère, euh, voilà, c'est la, la Major qui a géré la sortie. Euh, je vais mettre un dislike, <laughs> il est fou. Mais si, bien sûr que tu y es, évidemment, tu es en première ligne. Euh... C'était très compliqué de lui, pour lui de le sortir. Puisque la Warner, ils cassent les couilles de Zack Snyder depuis déjà très longtemps. Hein. Man of Steel, n'était pas forcément très bien passé. Batman v Superman, eh ben c'était pas du tout ce qu'ils imaginaient puisque la Warner était plus ou moins dans une idée de, 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 de Marvelisation de son produit. Hein. C'était, ils voulaient euh, euh, du combat. Alors, globalement, ce qu'ils voulaient, c'était du combat. C'était Batman contre Superman. Allez, vas-y, mets-moi du Batman contre du Superman. J'en ai rien à foutre. Et la Warner, ils étaient dans cette idée-là. C'est du Marvel, 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 euh, etc. Bon, Zack Snyder leur propose quelque chose de presque intimiste, parce que j'ai tendance à penser que Zack Snyder, dans un certain sens, c'est du blockbuster d'auteur, euh, clairement, hein, parce que il je, je, y a vraiment une part artistique d'auteur, et il y a vraiment quelque chose dans la manière dont il va gérer la caméra, dont il, dans la manière dont il va gérer les plans et l'esthétique de ses films, qui pour moi, euh, bah, est une sorte de film d'auteur, mais version blockbusterisée. Et donc, il amène ça, il amène des dialogues vis-à-vis -vis de ses personnages, il amène vraiment des choses pertinentes et intéressantes sur le fond, sur la mythologie, sur les dieux. C'est là, je parle à l'époque de Batman v Superman. Et ça ne plaît pas à Warner qui dit Oui, mais ça, c'est pas du tout ce qu'on avait commandé. Donc, ils ont raccourci. Euh euh, le, le, le film, hein, euh, on, le sait, on le sait tous hein, maintenant, Batman V Superman, il y a une version longue qui est sortie qui a plu à tout le monde, la courte avait plu à très peu de monde. Il y a toujours le côté du euh, Save Martha, etc., qui restera évidemment euh, légendaire là-dessus. Mais globalement, euh, puisqu'on ne fait pas la critique là, de Batman V Superman, Batman V Superman aujourd'hui a vraiment, euh, je trouve, réussi à, à, à regagner des lettres de noblesse. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui, ou presque, hein, pour dire que euh, Batman v Superman est un bon film. Voire un très bon film, ou un très bon film de super-héros, ce qui si en tout cas est mon cas. Alors que je m'étais profondément fait chier, par exemple, devant euh, Man of Steel. C'est pas la première fois donc, que la Warner emmerde Zack Snyder. Zack Snyder par là-dessus, produit un certain Suicide Squad, que la Warner dit alors non, certainement pas. Euh, Suicide Squad, vous allez faire des reshoots, Will Smith, Will Smith, Will Smith, ça n'a pas aidé non plus, hein, Will Smith veut le mettre à fond du Will Smith, parce que je suis Will Smith, j'ai pas aimé Jaden, je sais aussi quand le père a des zones d'ombre, hein. donc forcément, voilà, il y avait ce côté, euh, ouais, mais non, euh, on va remettre des reshoots, essayer de mettre un peu d'humour, alors euh, David Ayer a été complètement bridé, et à partir de ce moment-là, bah le, le DC Extended Universe, dès le moment où véritablement on a eu Suicide Squad, c'était déjà en Dancy, c'était pas euh, quelque chose qui avait, euh, comme Marvel, c'est-à-dire que globalement, je trouve que Batman v Superman euh, est un meilleur film que 90% des Marvel. Hein, ça, je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord. Mais globalement, Marvel est bien meilleur quand il s'agit de faire des films. Puisque ils, déjà, c'est Marvel studio qui fait ça. Warner, ils ont encore le droit d'accès à certaines choses. DC Extended Universe, euh, malheureusement, ils sont obligés de satisfaire la Warner. Alors que Marvel, et d'attendre que c'est Marvel Studios, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Et là, ils prennent des réalisateurs qui vont dire oui, non. Euh, j'ai pas envie. Oui, j'ai envie. Ça a été le cas avec Edgar Wright. Ils étaient pas en accord. Ils l'ont viré. Ils ont pris un, un, un gars euh, bon, qui est plutôt talentueux. Il a travaillé sur le Mandalorian, qui a fait du euh, qui a fait euh, du Edgar Wright like, en moins bien. Euh, du côté de DC, c'est pareil. Parce que bon, excusez-moi, mais Wonder Woman, je trouve vraiment pas ça terrible. Patty Jenkins, pour moi, c'est une réalisatrice qui a pas de talent, très peu de talent. Enfin, je veux dire, elle a fait un ou deux films qui étaient intéressants, mais globalement, c'est pas extraordinaire. Et quand on lui demande de prendre Wonder Woman, elle fait un film féministe, Snyder like. Parce que globalement, c'est Zack Snyder qui a ramené la mythologie de 300 dans Wonder Woman, avec ce côté, encore une fois, oui, mythologique, l'apport musical, les ralentis, la, vraiment l'esthétique, le, le, le portrait, le tableau, la, la, ce que j'appelle la fresque en mouvement, qui était déjà présente dans 300, dans euh, Sucker dans, dans, dans Punch, dans, dans Watchmen. Bon, voilà. Donc, c'est compliqué pour eux, euh, pour, pour, c'est compliqué pour la Warner, de forcément, derrière, se dire. Euh, on va laisser le champ libre à Zack Snyder puisque globalement euh, bah, ça nous plaît pas. Donc le mec est bridé depuis très 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 longtemps. Ils ont bridé David d'ailleurs. Ils ont pris une yes woman euh, pour faire Wonder Woman. Euh... Ah bah oui, Wonder Woman est meilleur que Wonder Woman 2, mais après Wonder Woman 84, enfin euh... je veux dire euh, c'est vraiment 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 très 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 mauvais. Hein. J'ai du mal quand j'entends que c'est un chef d'œuvre. J'ai l'impression d'entendre ce mot pour un bon film maintenant. Merci beaucoup Tony pour le don. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est un très bon film. Euh, pour moi, Justice League Snyder Cut, euh, c'est un très bon film et c'est surtout miraculeux. J'ai pas honte de le dire, ce mot. Par rapport à d'où il vient, c'est miraculeux d'avoir réussi à pondre ça. Par contre, euh, c'est oui, vrai que globalement, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. De toute façon, des chefs-d'œuvre, il y en a très peu. Enfin, je veux dire, globalement. Euh, c'est vrai que la qualification de chef-d'œuvre aujourd'hui, on l'a dit pour tout et pour rien. Bon, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, c'est une claque. Il y a la différence entre le chef-d'œuvre et la claque. Tu vois, tu te prends quand même une sacrée claque. C'est un très bon film qui tend vers l'excellent film. Euh... Au même titre que, par exemple, on en parle là, parce qu'il y a Quentin qui nous cite Watchmen. Watchmen est un excellent film. Mais, euh... Mais voilà, moi, je reste convaincu que d'ici. Déjà, le, pro le problème qu'ils ont, c'est qu'ils bossent pour Warner et Warner, ils ont le droit de dire non, ça on veut, ça on veut pas, ça on veut, ça on veut pas, alors que le MCU, eux, ils ont leur ligne de conduite, ils font ce qu'ils veulent et ils prennent des gens qui veulent faire ça. Donc c'est déjà deux choses à... qu'il qui, qu faut mettre en, en idée. L'autre la... chose qu'il faut mettre en perspective, c'est que oui, Zack Snyder, quand le mec revient d'aussi loin, la Warner lui dit non, non, non ça on n'a pas envie, euh, pff, on n'est pas très chaud. Et euh, pour avoir eu Morgan, alors, ça c'est voilà un hein, Morgan qui est un spécialiste qui me le disait. C'est des spéculations, mais on s'en doute bien par rapport à ce qui s'est passé. Quand la fille de Zack Snyder est morte, malheureusement, euh, Zack Snyder a été abattu, il a abandonné le projet. Faut savoir que la Warner, à aucun moment, ils ont dit « Non, 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 viens, reste oh, Non, 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 ce serait con, non, viens, termine-le » Du côté de la Warner, euh, c'était surtout « Ah oh, oui, ben on comprend que t'es pas en vie. Ouais, 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 t'es pas bien, écoute, prends du temps pour toi, on va se débrouiller. » Et bah, gros manque de respect de la part de la Warner, hein, forcément, parce que tu vois ce que le mec a vécu. Mais limite, la Warner, c'est ce que me disait Morgan, et pour avoir maître enseigné, effectivement, c'est un peu le cas. La Warner, ils ont surtout dit à Zack Snyder Bon, bah, on cherchait déjà un petit moment l'occasion de s'en débarrasser, parce que depuis Man of Steel BVS, il nous l'a mis derrière, ça suivait pas. Hein, je veux dire, c'était pas des gros, gros, gros succès non plus au box-office. Un hein. Batman v Superman, ça a marché, forcément, mais bien moins qu'il l'imaginait. Donc la Warner, qui cherchait déjà un petit peu à le virer. Et eh bien, pour eux, c'était presque du pain béni, quoi, si j'ose dire. Donc euh, voilà, Zack Snyder s'en va, Joss Whedon arrive. Et là, là, une question que j'ai envie de vous poser, avant de parler de la Snyder Cut. Est-ce que pour vous, avec tout ce que je vous ai dit, la faute est à Joss Whedon Parce que moi, je ne vous, vous cache pas que Joss Whedon, il a fait un travail qui a été assuré, cuté, baltringué euh, avec des, des, des... Bah, Joss Whedon n'a pas le talent de Zack Snyder, donc forcément, ça se voit, c'est fade. C'est un film qui n'a pas d'âme, qui est fade, qui est lisse mais globalement, Josh Weddon, on l'appelle à la rescousse, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il peut faire. Voilà, le principal fautif pour moi, ça reste la Warner, bah le gros manque de bol aussi, euh, forcément. Et puis, euh, et puis euh, le fait que malheureusement la fille de Zack Snyder soit morte. Mais le problème pour moi, c'est avant tout la Warner. Et euh, Josh Weddon, il est là, et bah, il prend des morceaux machin parce que c'est vrai que globalement, on, on dit depuis très longtemps maintenant, euh, bon bah, Josh Weddon en sueur. Quand tu vois la version de Weddon et celle-là, la Weddon cut, pour moi, c'est la Warner cut parce que Josh Weddon Bon, c'est quand même. Oui, non, forcément. C'est un mec pour moi, c'est pas un réalisateur, hein, Joe Whedon. Je crois que c'était le créateur de Buffy. C'est plus un créateur pour moi, euh, ou un mec qui a des idées plus qu'un réal. Euh, c'est pas un gars qui a un immense talent derrière la caméra, puis il nous fait un truc creux, livide, fade, euh, avec une vision qui a rien à voir avec ce que de toute façon doit être normalement la vision de Zack Snyder. Donc forcément, ça peut pas marcher. Forcément, ça peut pas marcher. Et John Sweden a accepté. Ouais, mais d'un autre côté, t'as la Warner qui t'appelle pour sauver Justice League. Évidemment que t'y vas. Enfin, je veux dire, bon, il y a le chèque aussi, il y a le billet qui va derrière. Snyder a jamais vu la version 2017. Ben, j... Il me semble bien, ouais. Qu'il a pas regardé, ben, il a raison. Hein. Il a réalisé le premier Avenger. Ouais, mais moi, le premier Avenger, je le trouve très moyen. Enfin, je veux dire, globalement, pour moi, John Sweden, c'est pas un grand réel, hein. C'est euh, pas parce que t'as réalisé euh, C'est pas parce que t'as réalisé Enfin je veux dire Avenger ça reste un film très quelconque Moi on me parle beaucoup souvent Quand on parle de Marvel De, de, de Civil War euh, qui est pour moi l'un des films En termes de montage et de, de, de mise en scène Les plus bateaux de l'histoire Je regarde la scène de Civil War Que j'avais bien aimé à l'époque mais en le revoyant c'est flagrant Quand je vois Civil War Filmiquement vraiment sur un point filmique Quand tu regardes Civil War La scène de l'aéroport a rien quoi il y a même pas de colorimétrie, c'est terne, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Euh, il, il a, comme Discavax où il a réalisé Avengers 2, où ouais, c'était l'air d'Ultron qui est pour beaucoup considéré comme le moins bon. Je me rappelle même plus, donc c'est qu'à mon avis, ça, pour moi, ça doit être la même chose. Euh, vraiment, hein, parce que je me souviens même plus de ce film là. Je me souviens qu'il y a Aaron Taylor Johnson qui joue Quicksilver. Voilà, je me souviens que de ça. Mais c'est oui, c'est du Marvel. Et en fait, Marvel. Bah de temps en temps, il laisse à un ou deux réalisateurs l'opportunité de s'exprimer, mais c'est excessivement rare. Hein. Je veux dire, ça va être euh, James Gunn, Taika Waititi, le, pre euh, le premier réal de Iron Man. J'allais dire John Favreau, mais euh, j'ai un doute. Et puis, voilà, peut-être un ou deux autres, parce que celui qui a pris le flambeau d'Edgar Wright, qui avait bossé sur Mandalorian, je ne me souviens plus le nom, globalement, bah, il fait du Edgar Wright, mais ça reste un yes man, et c'est tout souvent des yes man. Si, il y a Ryan Coogler. Si, avec Ryan Coogler et Black Panther, ils lui ont laissé l'occasion de s'exprimer. Mais voilà, c'est. Euh, bon. Moi, je trouve Marvel très très fade. Winter Soldier, l'un des meilleurs films après Avengers 2, il a été viré puis pris par DC. Ouais, mais Winter Soldier, je suis désolé, moi, j'ai trouvé ça très moyen. Hein. J'avais déjà trouvé ça très moyen en termes de scénario et euh, visuellement à l'époque. Et pour l'avoir revu il y a pas longtemps, pff, moi, je ne sais pas ce que Captain America 2, je ne vois pas ce que les gens lui trouvent. Quoi. Mais globalement, ça reste l'idéologie Marvel. Mais Marvel, ils s'en foutent parce que Marvel, eh ben, ils font ce qu'ils veulent. Euh, Marvel ils font ce qu'ils veulent C'est le MCU Ils prennent des réals Et de temps en temps Ils laissent un peu de liberté Mais si jamais tu nous fais chier On te vire parce qu'on est le MCU La Warner c'est plus compliqué Et c'est plus compliqué de s'exprimer Quand tu bosses pour la Warner Joss Whedon est meilleur créateur Que réalisateur oh, Je trouve aussi ouais Le taf qu'il avait fait Pour Firefly, Buffy, Angel C'était caviar bah, C'était une série est... C'était des très bonnes séries ouais C'était des très bonnes séries Mais, euh, mais je pense qu'effectivement Oui c'est plus un créateur Infinity War était bien, Infinity War était, était bien, ouais, il faut dire qu'il beaucoup de James Gunn quand même par moment, euh, notamment sur les plans avec les Gardiens de la Galaxie, mais c'est vrai que ça faisait partie des bons films du MCU. Et à partir de tout ça, on est tous d'accord a priori que c'est, bon, allez, on va dire 70-30, 70%, -30, hein, 70 contre la Warner, et 30% pour Joss Whedon qui a bricolé des trucs qui étaient moyens, et bah ben, malheureusement, on a vécu sur un vide considérable, c'est-à-dire que après ça... Eh ben euh, Ben Affleck est parti de son de Batman qui aurait dû voir euh, une lutte contre Deathstroke. Ça, putain, j'aurais bien aimé le voir. Euh, a été remplacé par Matt Reeves, mais alors a carrément été remplacé derrière euh, par Robert Pattinson. Donc, on va avoir un film complètement différent qui ressemblera plus au Joker de Joaquin Phoenix. Et c'est pas un mal, loin de là mais qui ne sera pas dans le DC Standing Universe. Euh, on a eu donc euh, bah, le Suicide Squad qui a été un fiasco, Wonder Woman qui a ressauvé un petit peu la barque, mais moi j'ai trouvé ça particulièrement mou. Euh, Wonder Woman 2, catastrophe, Shazam, ça dépend. Moi j'ai même pas osé le regarder parce que je pense que je me ferais chier comme un ramor, mais certaines personnes ont aimé Shazam, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Euh, maintenant, derrière, on a eu Aquaman qui a aussi relevé le niveau parce qu'ils ont laissé un peu James Wan s'exprimer aussi. Je pense qu'ils ont peut-être appris de leur erreur, mais à partir de, de ce moment-là, euh, avant de savoir que Ben Affleck reprendrait son rôle pour jouer Flash, qui y aurait des reshoots dans la Justice League, etc., à ce moment précis, on se dit Batman, c'est fini, Man of Steel, de Superman, Henry Cavill, c'est fini, on va avoir Wonder Woman 2, d'accord, on aura Aquaman 2, d'accord, on va avoir Flash, mais euh, bon, qu qu'est-ce qu que ça va nous apporter et forcé de reconnaître que quand tu as la Justice League, la Snyder Cut qui arrive, ça revalorise absolument tout. Parce que la première chose que j'ai envie de dire avant vraiment de parler du film, parce que pour moi c'est vraiment une œuvre cinématographique. Contrairement à beaucoup d'autres films de super-héros, là on est dans quelque chose qui vient vraiment de l'œuvre cinématographique. Il y a tellement de, 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 de possibilités, et c'est pas le mot que j'avais envie de souligner, le mot possibilité. Il y a tellement de, de, de qualité et de, de potentiel. Je trouve que cette, ce, cette Justice League Snyder Cut, elle a un potentiel pour le futur extraordinaire. Et moi, j'ai envie de vous poser la question est-ce que vous pensez qu'on aura le droit à cette suite Honnêtement, en prenant le compte des tenants et des aboutissants que je vous ai dit, c'est-à-dire Zack Snyder aimerait. Mais euh, d'un autre côté, on ne sait pas si la Warner acceptera. La Warner n'a pas l'air très chaude de là-dessus. Euh, ça reste quand même très évasif. Jusque maintenant, on navigue un peu dans le flou. On a surtout de la frustration de se dire bon, on ne sait pas vraiment s'ils vont le faire. Euh, Est-ce que pour vous, c'est possible qu'on ait la suite, de, 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 objectivement, hein, de cette Justice League Avec le, potentiellement le Nightmare, avec le multivers, pourquoi pas aux alentours, avec Flash aussi, hein, qui pourrait arriver par rapport au film Flash. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui s'offrent à nous. Et, euh... et, 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 et moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez là-dessus Je crois qu'ils vont sortir les Justice League sur les plateformes Et laisser les autres films à part et ils vont créer un multivers ah, T'imagines si ce serait ça Genre vraiment, enfin, moi c'est des films que j'aimerais quand même bien voir au cinéma hein. Totalement, pas de suite On aura probablement pas de suite Snyder a révélé toute l'intrigue des prochains films, ça c'est vrai ouais. On aura la suite Alors les prochains films qui devaient voir normalement arriver Les morts notamment d'Aquaman et de Lois Lane le mec, ils ont allongé 70 millions pour lui donner une chance. Ah, bah oui, non, mais après, bah, euh, ils, ils ont... oui, mais c'était mérité, je veux dire. Puis d'un autre côté, ils savaient très bien que derrière, pour eux, ça allait être du caviar. Parce que je pense que quand Warner a vu le résultat avec Joss Whedon et le carton que ça a été en termes de, 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 de flop, euh, c'était plus intelligent pour Warner de dire à Zack Snyder, hé, eh, au fait! Non mais on aime bien euh, ce que tu fais, j'aimerais bien que tu, tu, tu... Ouais, bosse avec nous. Ouais, 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 t'inquiète. Parce que la Warner, ils sont intelligents, hein. ils savaient très bien que voilà, puis après c'est parti chez euh, HBO, euh, HBO Max. Donc ils savaient qu'ils allaient travailler aussi avec HBO Max derrière. Enfin, globalement, les gars sont pas cons, hein. ils savaient très bien que ça allait rapporter du, de, 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 de l'oseille et qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu et que les gens allaient attendre ça au tournant. Ça a été l'un des films les plus attendus. Ça a été l'un des films les plus attendus, c'était cosmique. Alors à tel point... Ce que je trouve un petit peu emmerdant, moi, toujours à la longue comme ça, mais enfin bon, c'est pas grave, euh, d'être dans, dans ce système de... Enfin, moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux surtout, mais lundi en fait, on a eu une bande-annonce pour Justice League qui arrivait le jeudi, et dès le lundi en fait, tous les gens qui n'en avaient rien à foutre de Justice League ont commencé à se plaindre. Oh, euh, et bon courage cette semaine à tous ceux qui n'ont rien à foutre. Oh, ah et bon courage pour les 160 000 vidéos sur la Snyder Cut que tout le monde va bouffer. Et bon courage pour tous ceux qui vont juste vouloir surfer sur les vues. Et bon courage pour de la si vous allez bouffer que ça, que ça, que ça. J'ai limite eu plus l'impression qu'il y avait plus de gens qui se plaignaient, de gens qui étaient contents, tu vois. Bah oui, mais les gens qui se plaignent, au final, ils font de la promo pour Snyder Cut aussi. Je veux dire, laissez juste les gens être contents de voir un film qu'ils ont envie d'attendre depuis 4 ans. Je prends par exemple mon pote Morgan euh, ça fait 4 ans qu'il attend ça, lui. C'est un fan absolu. Il avait Justice League, il avait envie de pleurer. Il a revu la, la Zack Snyder, il a pleuré, mais d'émotion ce coup-ci. Laissez juste aux gens, en fait, l'envie. Même si vous, ça vous fait chier. Euh, voilà, euh, Je voyais Anthony Pazzona, bah, que j'aime bien, pourtant c'est un pote, hein, mais qui disait que en gros, euh, bah, il en avait marre euh, de voir ça tout le temps. Ça l'a dégoûté du film avant même de le voir. Oh, si t'es dégoûté pour quatre ou cinq tweets et puis une dizaine de vidéos que t'as même pas regardé parce que ça t'intéresse pas, c'est laissez aux gens l'occasion d'aimer ce qu'ils veulent, quoi dire, à un moment donné, euh, c'est pas non plus... Enfin, t'es pas sur un film de merde, en plus, T'es pas sur du Marvel, puis globalement, l'histoire, elle est belle. Zack Snyder, il se réveille euh, d'un trauma énorme qui a été la mort de sa fille. Il fait ça pour sa fille. Après des années, des années, des années, tout le monde lui disait « Il n'y arrivera jamais », puis finalement, avec de l'abnégation, il y arrive. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Laisser aux gens l'opportunité de vivre cette belle histoire. C'est tout ce que... Enfin, voilà. C est, c est, c est, au, au, même si t'as aimé ou pas, je veux dire, ça reste vraiment un film... Qui est fait avec le cœur. Et moi, j'aime bien ça. J'aime l'idée de voir un film qui est fait avec le cœur. J'aime voir d'où il vient. J'aime voir tout ce qu'il y a eu ensuite. Et j'aime me dire que Zack Snyder, il le mérite. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais. Euh... En si, pour du Marvel, on les entendrait aussi. Parce que ça criait de la même chose sur WandaVision, etc. Parce que ça parlait de WandaVision. Mais d'un autre côté, les gens ont le droit de. de, 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 de... Je que les gens ont le droit de parler de ce qu'ils veulent dire, Globalement, tu fais oui, bah oui. Je veux dire, c'est vrai que quand tu es, euh, es sur Twitter le jour de la sortie de Justice League, dans ta TL, tu vois beaucoup de Justice League. Bah écoute, euh, je veux dire, globalement, tu passes du temps sur ton téléphone, tu vois Justice League, Justice League, bah tu passes au tweet suivant, quoi. Mais il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié un tweet de. de, de, de... Comment s'appelle-t-il de, de Chronique Fiction qui disait que c'était dommage, en fait, que les gens euh, prennent plus de temps à. À critiquer le fait que beaucoup de gens parlent de la Snyder Cut, plutôt de simplement bah, se rendre compte que c'est un film que beaucoup de gens attendaient et, 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 et que beaucoup de gens en fait avaient envie de voir et que effectivement c'était important pour les fans. C'est aussi ça qui est, qui, est, qui est quand même important à souligner, c'est-à-dire que le premier Justice League de, 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 de Joss Whedon, je me mets dans la tête moi des fans inconditionnels de, de DC et de la Justice League, putain. Même moi, hein, j'ai trouvé que c'était vraiment navrant et pourtant, à part l'univers de Batman, j'y connais pas grand-chose. Alors que là, euh, oh, ouf, tu regardes ça, euh, tu te dis, bon, bah, ouais, 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 c'est quand même une autre tambouille, c'est un film, bah, comme dit cani ouais, moi, je, moi, je trouve, que je suis assez d'accord, c'est un film blockbuster d'auteur, il y a un côté contemplatif, il y a un côté fresque en mouvement, salut Sophie, comment ça va, comment vas-tu, il y a un côté... Euh il y a un côté, ouais, fresque pictural, où quand tu regardes la chose, tu, tu vois vraiment une sorte de peinture, le rapport à la peinture, le rapport à l'image de Zack Snyder qui est très important, même vis-à-vis -vis du ralenti, je trouve qu'il y en a trop, mais même vis-à-vis -vis du ralenti, il y a quand même quelque chose d'artistique qui en témoigne. Il laisse l'occasion, comme il l'avait fait avec BBS et Man of Steel, il laisse l'occasion à ces personnages de, de s'exprimer, de parler, d'avoir du temps de, de, de vraiment pour développer un fond, ce qui est quand même important, hein, parce que Warner, il voulait juste du, allez, vas-y, nique ta mère. Euh... Euh, Vas-y, on veut juste des gars qui vont se taper dessus. Eh ben non, non Zack Snyder te dit non. Et c'est important. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup trop de ralenti. Allez, ah, le ralenti et la bouillie visuelle sur certaines scènes, notamment l'arrivée de Stephen Wolf. Ouais, et en termes de CG, euh, moi, il y a un plan qui me tue. C'est deux Amazones sur des chevaux qui vont partir loin dans le décor, donc loin dans le fond vert. Et forcément, bon, bah, elles ne vont pas rentrer dans le fond vert. Donc en fait, tu vois la transformation entre vraies femmes, vrais chevaux. Et puis dès qu'elles partent... CG euh, de cheval, CG de femme et bouillie visuelle verte enfin tu fin, tu regardes ça tu fais ouf. Ouais, ouais, ça se voit que c'est euh, truqué mais euh, mais bon globalement quand tu regardes le film, c'est compliqué de les faire en prise de vue hein, réelle la moitié du film est même limite pas possible quoi. Salut Valou, tu es bien rentré, pas trop triste. Non 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 non, ça va, on a on a on a profité euh, corporellement avec le grime autant qu'on a plus... Euh... La nuit fut courte. <laughs> mais non, ça va. Les films, les indestructibles de Disney sont meilleurs que certains Marvel, tout comme Spider-Man, New Generation, qui casse ou Scott Pilgrim. Ah non, mais si tu pars par là, Félix, je suis d'accord avec toi, mais je vais même te dire The Crow, je vais même te dire Watchmen, je vais même te dire Incassable, c'est meilleur que les trois quarts des Marvel. D'ailleurs, pour moi, si tu fais un top 10 des films de super-héros, déjà, si tu mets ni The Crow, ni Incassable, c'est pas normal. Et pourtant, tu vois, c'est loin d'être des films que, dont, que tu jugerais films de super-héros. Blade 2, Blade 2 de Guillermo del Toro, ça a beau être du Marvel. Pour moi, je suis convaincu que euh, que, que Blade 2 c'est un, un vrai bon film. Mais euh, mais on est loin du MCU. De toute façon, il faut pas cataloguer euh, le, le film de super-héros uniquement à DC Marvel ou à ce que fait le MCU le DC, ou DCU, ou. Globalement, c'est mieux ailleurs. Hein. Et ce qui est drôle aussi, c'est que Justice League, il y a déjà eu des débats. Très 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 vite. Euh, Constantine est très bien aussi. Moi je fais partie des gens qui aiment beaucoup le Constantine, euh, notamment. Euh, bah, je crois que tu étais là, Skavax, quand j'en avais parlé sur euh, Twitch, avec euh, Kenny Reeves et surtout Shia Buff. Hellboy. Hellboy est très bien aussi, mais c'est Guillermo del Toro. Bah oui, là on leur donne l'occasion de s'exprimer, donc forcément encore Guillermo del Toro d'ailleurs. Euh, mais il y a déjà des, des combats, hein, je veux dire, avec Justice League du style... Euh, eh, hey, au fait, euh, est-ce que pour toi c'est le plus grand film de super-héros de tous les temps Et ce qui est drôle, c'est que pour beaucoup de gens, euh, eh ben, il y a un match entre Justice League et Watchmen. Comme quoi, ben hein, euh, bah ouais, c'est Zack Snyder. Donc Zack Snyder sait comment développer l'univers de super-héros, il sait lui donner une âme, il sait lui donner une esthétique, et un univers. Et les deux ensemble, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait du lourd. Ça fait du lourd. Mais je trouvais ça rigolo, moi, parce que je me dis quand même, attends, tu te rends compte qu'on en est à un stade où euh, t'as quand même euh, euh, les, du débat pour savoir Justice League est-ce que c'est l'un des meilleurs et puis bah, il est en concurrence avec Watchmen donc c'est à dire l'aura du bonhomme on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure euh, c'était sur, euh, sur, euh, sur donc le, cas, euh, le cas Nightmare donc toutes les possibilités le potentiel que ça sorte le fait que vous étiez 50-50 il hein, y avait beaucoup de gens qui disaient oui d'autres qui disaient non sur la possibilité d'avoir une suite ça m'amène forcément et on va commencer par là à la dernière scène les 15 dernières minutes de Justice League. Les 15 dernières minutes de Justice League. Alors, c'est frustrant, hein. Parce que forcément, du moment où Darkseid décide d'aller euh, conquérir la Terre à sa manière, euh, jusqu'à euh, l'ex... Donc, possibilité de revoir Darkseid ensuite. Euh, c'est ici pour pas se faire spoiler. <laughs> pas vraiment, non. Ah non, là c'est. Euh... Ouais, ouais, là on avait prévenu que c'était euh... forcément, euh... forcément avec spoil. Possibilité autre. Par la suite. Euh... Lex Luthor, Deathstroke. Possibilité The Batman, avorté. Mais euh... quand même. Et putain, le nightmare. Le nightmare, le dialogue entre Joker et Batman. La puissance émotionnelle de ce, de... De ce que ça t'apprend, hein. La mort d'Aquaman, la mort de Loïs, la mort d'Harley Quinn, tous ces trucs-là, euh... ces... tout, 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 tout ce dialogue qui fait très alors comics déjà de base, hein, forcément, parce qu'il y avait cette relation-là dans les comics. Mais dans les comics, j'en ai pas lu beaucoup. J'ai surtout lu, euh... j'ai surtout lu, euh... enfin j'ai surtout joué aux jeux Batman Arkham, hein, Arkham City, Arkham Asylum et Arkham Knight. C'est ça, le meilleur ennemi. Je suis ton meilleur ami, mais je suis ton meilleur ennemi. Euh... Et il y a quelque chose de vraiment, euh, vraiment très particulier. Et cette osmose-là cet osmose entre Batman et le Joker, tu la ressens en, en quoi 10 minutes de temps, là Harley Quinn qui meurt dans les bras de Batman, tu vois que, que Batman il perd, euh, il perd des êtres chers, euh, il te fait une espèce de, de Suicide Squad à lui-même, là, de Pseudo Justice League avec Deathstroke, avec le Joker... Enfin, tu te dis, il y a tellement, tellement, tellement... De questions qui s'offrent à nous, tellement de possibilités derrière ça. Comment c'est arrivé Bon bah laissez mourir Lois Lane. Après les autres sont revenus. Le speed de Superman a pété un câble. Bon euh, ok très bien. Mais euh, là tu ne fais pas attention. Mais ouais mais même, même Batman, Batman même Batman pour le coup on ne le reconnaît pas parce que Batman qui dit oh tu peux être sûr que je vais te buter un jour je vais te flinguer. Que Batman normalement ne le fait pas. Hein. Euh... Puis surtout vis-à-vis -vis du Joker. Et puis d'Astro qui dit Tu penses toujours que c'était une bonne idée de l'emmener parce qu'on se doute que les deux peuvent pas se blairer non plus. Enfin, tu sens que c'est vraiment là la Ligue des enculés. C'est plus la Ligue des justiciers. Hein. C'est la Ligue des mecs qui sont encore vivants. Bon, bah vas-y, on va y aller. Mais s'il te plaît. Enfin, c'était quand même vachement. Euh... C'est dur, quoi. C'est des propos qui sont violents. On apprend beaucoup de choses. Et on te laisse là-dessus. Avec l'arrivée de Superman, Martian Manhunter qui arrive derrière, et tu te dis putain mais t'as tellement envie d'en voir plus. Et, euh, et malheureusement, bah on sait même pas, on sait même pas. Ce qui me fait évidemment parler du Joker de Jared Leto. Où là, je vais proposer un un, un appareil, je vais dire, je vais un apéritif. Je vous proposer un apéritif. Là, je vous pose une question et je veux que ce soit ceux qui n'aient pas aimé le Joker qui répondent. Qu'est-ce que vous avez reproché On pense pas à, la, à Suicide Squad. Je veux savoir ce que vous avez reproché au Joker. De ce Snyder Cut Vraiment Et je suis sérieux Parce que j'ai envie De débattre là-dessus Parce que c'est bien aussi De débattre avec des gens Qui sont pas d'accord euh... Qu'est-ce que vous avez reproché Au Joker Là actuellement De, de, de... Parce que je le trouve bluffant moi Même le rire le... Mais On avait reproché J'ai vu des gens Qui disaient que le rire Était pas bon Pour moi le rire Il, il suinte Tu vois on sent que le mec Est pas bien On sent qu'ils ont du Pff Enfin, c'est lourd, l'univers est lourd. Tu vois l'ambiance à la Mad Max, tu sens qu'il. Je pense que physiquement, les mecs doivent être usés, tu vois. Enfin, moi, je trouvais que c'était vachement bien. C'était un rire usé, fatigué, qui... qui était le rire fatigué du rire qu'il avait déjà dans Suicide Squad, que moi, j'aimais déjà beaucoup. Et merci beaucoup, Sophie, pour le don. Incroyable, la science. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci pour tout ton soutien. La science, la science de la Snyder Cut. Je sais pas si tu l'as vu, du coup, Sophie, la Snyder Cut, mais si tu l'as pas vu, je te le conseille. Alors, voyons voir. Donc là, il va falloir que je vais voir. On peut pas encore. Alors moi, je pense que tu peux. Ju moi, je pense que si, quand même. Avec 25 minutes dans, dans Suicide Squad, plus là, 10 minutes là-dedans, bon, t'as quand même une idée. De, de, en plus de deux interprétations de, du même Joker, je pense qu'on est apte à, à, à avoir un petit peu de de, 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 de de référence. Une porte qui grince. Le maquillage de Suicide Squad. Ouais, mais là, il l'a plus. Je suis peut-être la seule, mais je trouve que Leto fait un excellent Joker. Moi, non, je suis d'accord, euh, Sizard, grave. C'est le meilleur. Le problème de ce film, c'est que tu tapes un teaser de 4 heures pour une suite que tu risques de pas voir. Ah ça, c'est ben bah, merci Warner. Hein. Son maquillage. Ouais, mais le maquillage, euh, le maquillage, il est. Le maquillage, c'est un remix entre son maquillage et celui de Ledger. Donc je vois pas ce qu'il a de négatif. C'est-à-dire le maquillage de Joaquin Phoenix, c'était globalement assez classique aussi. Pourtant, il était vachement, vachement puissant. Bon, ça m'a pas choqué plus que ça. Encore une fois, faut se dire du principe que les mecs, ils sont usés. Enfin, je veux dire, globalement, ils sont au bout, quoi. C'est des mecs qui sont au bout. Tu vois qu'ils sont euh... Qui, qui, moi, je l'ai vraiment pris comme ça. C'est le nightmare. Tu vois même que le costume de Batman, Batman, il est vieilli. Enfin, pas vieillissant, mais tu sens qu'il est vraiment usé. Deathstroke, c'est pareil. Ils sont tous un peu euh, flash. Il dit même pas un mot parce qu'en termes de psychologie, euh, le, le, bah, on était dans quelque chose de, de radicalement différent, tu vois, de ce qu'on pouvait avoir de ce personnage-là. Et là, forcément, bah ouais, le maquillage, il est usé, il a les cheveux longs, machin. Mais pour moi, c'est totalement raccord avec l'idéologie de de, de, de... Avec l'idéologie du truc, où le mec, bah, il en a plus rien à foutre, il s'est maquillé une fois, ça se trouve, bah, le maquillage, il l'a plus depuis une semaine, et puis c'est devenu écœurant, euh, parce que les gars, ils sont... ça suinte, tu vois, c'est un univers Vraiment, le Nightmare, et je bon, pense bon, que c'est raccord avec cet univers qui suinte. Je pense les Leto doit avoir les boules, genre, on l'a embauché pour être le Joker, écrit en petites 35 minutes pour deux films. Bah, à la base, le Joker, je crois que... même, euh, ils ont mis une demi-heure maximum dans le Suicide Squad... Mais il a tourné pour une heure ou une heure et demie. Hein. C'est pour ça que c'était intéressant pour lui d'avoir euh, la, la, la version ailleurs-cut. Parce que je pense que dans la version de David d'ailleurs, j'arrête les tours, on le voit souvent. Hein. Le maquillage encore trop proche de Suicide Squad. Ah oui, ça vous a vraiment marqué ça. Il manque d'extravagance et son rire est faux. En fait, son interprétation n'est pas bonne. Bah, il manque d'extravagance, mais je pense que les conditions font que l'extravagance, il ne peut plus spécialement l'avoir. L'extravagance qu'il va avoir. Euh... Euh, L'extravagance qu'il va avoir Ça va être dans les dialogues surtout Parce que les dialogues qu'il dit à Batman sont quand même très très durs Moi il y a un passage que j'adore Mais vraiment hein, dans, dans, dans la Snyder Cut C'est quand il a la carte Et que justement Batman lui dit Harley Quinn elle m'a fait promettre de te tuer mais bien lentement Et tu vois que Il y a un truc dans Il euh, y a un truc dans le regard de, de, de Jared Leto Et dans le regard du Joker Où ça, le plan s'arrête sur lui Peut-être 10-15 secondes mais c'est long hein, 15, 15 secondes de plan et après il rigole en mode ⁇ T'es bon parce que t'as failli m'avoir ⁇ Et moi ce qui m'a étonné c'est le ⁇ T'es bon ⁇. T'as failli m'avoir ⁇ Le t'es bon ⁇ T'es bon. T'as failli m'avoir ⁇ Parce que le Joker c'est un manipulateur, c'est un mastermind. Et globalement c'est souvent lui qui manipule Batman que l'averse. Et là, là, là tu sens que le mec on peut l'atteindre et tu sens que Batman a réussi à l'atteindre pour la première fois mais il, est, il veut pas y croire. Et, et il est même choqué que Batman ait réussi à trouver la parade en mode ⁇ T'es bon ⁇ Et putain j'ai trouvé ça génial. Parce que ça, pour moi, ça me rappelle ce que doit être le Batman avec le Joker. C'est en termes symboliques, si t'aimes bien les trucs, c'est fou. Et, euh... et puis l'interprétation est vachement bonne. Quand il est mort de rire, enfin moi, ça me tue, mais quand tu l'entends te marrer, parce que derrière, ça dure longtemps, mais il se marre, il se marre, quand on dit qu'il est pas assez extravagant, euh, il, se marre, il se marre, il se marre, il se marre, il se marre. Et puis tu as Batman qui s'en va, qui parle à Deathstroke, puis il est toujours en train de se marrer, Superman arrive, il est toujours en train de se marrer, il regarde Superman, il est mort de rire. C'est pas beaucoup, parce qu'il faut vraiment pas oublier, à mon avis, que les mecs ils se sont dit Ouais, mais c'est nightmare, ben, les mecs ils sont épuisés. Donc c'est le minimum syndical de ce qu'il peut faire. Je trouve qu'en VF ou en VO, en VF ou en VO, euh, euh, VO c'est pareil, hein, globalement. Il est bidon, mais jamais de la vie, il est bidon. Il est bidon. Déjà, il faut donner des arguments pour, te, pour dire qu'il est bidon, mais je, je le trouve vraiment pas bidon, hein. Ah pour moi, il fait un travail, un bon travail. Puis qu'est-ce que vous voulez C'est vrai que d'un autre côté, on le voit dix minutes. Donc, tu, tu le vois dix minutes. C'est pas comme si on le voyait deux heures et que avais l'occasion de t'exprimer. On le voit dix minutes. Donc en 10 minutes de temps, pour moi, il fait le boulot. Il fait le boulot. La scène du nightmare, c'est la théorie que t'avais envoyée en MP Insta sur la relation. Ouais, exactement. Non, mais ouais, ouais, t'avais vu juste, ouais. Envoyer un jeune garçon faire le boulot d'un homme. Pareil, il y a beaucoup de phrases marquantes et ça, ben bah voilà, je suis désolé mais euh, c'est du Zack Snyder parce que Zack Snyder il sait faire des scènes de combat assez dantesques, il sait à un moment donné quand est-ce qu'il faut y aller, mais il a aussi, et ça c'est bien, euh, il a aussi cette opportunité je trouve de, de, de laisser libre cours aussi à ses dialogues, à une vraie écriture à quelque chose de plus intimiste, et globalement quand tu touches à l'intime, tu vas toucher à des tas de, 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 de rapports et des tas de liens qui sont ceux de certains personnages entre eux, mais aussi d'une interprétation de certains acteurs qui est beaucoup plus libre. Et c'est du Zack Snyder. Il le faisait dans Watchmen. Hein. Watchmen, pour moi, c'est presque un film d'auteur aussi. Il n'y a pas beaucoup d'action dedans, hein, mais c'est euh, fort. Euh, il le faisait dans 300, parce que 300 avait quand même pas mal de scènes posées où tu te prenais quand même, euh, euh, bah tu, 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 tu essayais de voir un peu, euh, euh, tu essayais de voir un peu le l'envers le, le, de ces mecs-là qui étaient envoyés à la mort. il le savait très bien. Euh, Sucker Punch était peut-être le plus péchu et le moins, le moins intéressant euh, psychologiquement en termes de dialogue. Mais sinon, derrière, Zack Snyder, ça a toujours été un mec qui fait le boulot là-dessus. Pas excellent, ok, mais bon, jamais compris la shitstorm à son encontre. Pareil, mais je pense qu'en fait, dans Suicide Squad, faut aimer. Alors, l'une des choses que je peux comprendre, euh, c'est que c'est compliqué d'aimer le Joker dans Suicide Squad si t'es pas. Euh, si t'es pas habitué, ou si t'es lecteur de comics, ou si t'as joué à autre chose. Quand je fais des rapprochements d'ailleurs avec Batman Arkham Asylum, le Joker de Batman les jeux Arkham n'est pas du tout le même que Jared Leto. C'est juste que le lien Batman-Joker est tellement travaillé dans le jeu que là tu le retrouves un peu. C'est une similitude. Mais sinon, derrière, voilà. Après, euh... moi, moi l'une des choses que j'ai aimé dans Suicide Squad, ça a été le Joker. Parce que je me suis dit, hé hey, les gars, ils ont des couilles de faire un truc qu'on n'a jamais vu. Un joker un peu gangsta, mais qu'il le joue plutôt bien, où t'as quand même un effort visuel. Alors, on aime ou pas, encore une fois, je comprends totalement ceux qui n'aiment pas. Euh... Mais, euh, mais, mais bon, pour le coup, il y a vraiment un détail visuel qu'on n'avait jamais vu avant. La relation avec Harley Quinn. Eh bah, écoute, d'habitude, il la prend pour un jouet. Et euh, ça a toujours été son jouet, son clébard, hein, dans les séries, dans les trucs, les machins. Bon, bah là, c'est authentique et c'est sincère. Et tu le vois à la fin, parce que, bon, bah, même dans la Snyder Cut. Euh... Même dans la Snyder Cut, quand tu vois euh, le Joker avoir un doute euh, de, sur ce que Batman lui dit, tu te rends compte qu'il y a encore des sentiments. Bon, c'est un parti pris. C'est un parti pris. C'est vrai que c'est euh, loin de ce qu'on pouvait imaginer. D'un autre côté, si on avait fait une énième redite, je pense que ça n'aurait pas été très intéressant. Euh, et et bah, je, je trouve que moi, c'était une performance et une prestation qui étaient intéressantes. Parce qu'elle sortait du lot et parce que je, bah, je, je, Jared Leto faisait le métier. Il faisait clairement la salade là-dedans. Et alors, ce que tu vois là, c'est ce que tu guettes euh, euh, de, de ce que tu avais dans, 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 dans Suicide Squad. Forcément. Hein. Le wash 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 dans Suicide Squad. Ben, là où je peux comprendre, c'est qu'il faut aimer. Euh, faut aimer. Et euh, le Joker, pareil, amoureux d'Harley Quinn. Euh, oui, c'est vrai que normalement, il la manipule. C'est son club, voilà. Oui, ça, je peux comprendre. C'est ces questions d'objectif, ces question de subjectivité. C'est-à-dire, soit on aime ou on n'aime pas. Mais il savait ils savaient qu'ils allaient prendre un risque. Maintenant, je préfère, préfère les voir prendre ce style de risque-là plutôt que des risques du style euh, euh, bah, Deadshot. Bon, bon bah Deadshot, euh, Deadshot, pour moi a été complètement loupé. Voilà, pour, honnêtement, euh, je, je, moi, moi dans, dans la Suicide Squad. Je préfère, largement, euh, je préfère largement le Joker à Deadshot parce qu'au moins le Joker il y a une tentative et le Deadshot il pue juste Will Smith. C'est Will Smith qui a envie de faire du Will Smith qui t'a dit tiens je vais mettre plein de Will Smith. Deadshot je veux bien que ce soit de temps en temps par moment un anti-héros dans les, dans les comics, notamment dans les comics Suicide Squad. Tu sens que c'est un mec qui a quand même un certain vécu, c'est pas forcément un mauvais gars, c'est un tueur à gage. Mais euh, là quand tu me fais une panoplie de euh, c'est euh, le rendez-vous des super vilains. Moi dans Suicide Squad, quand tu me vois Deadshot qui peut sauver sa fille mais qui tue pas Harley Quinn, je te dis nique ta mère. Ton but premier c'est de sauver ta gamine. Même si le but c'est que tu sauves ta gamine, tu tues Harley Quinn. Flingue-la. Qu'est-ce que t'en as à branler Harley Quinn qui à la fin dit non, j'ai pas envie qu'on touche à mes potes. Nique ta mère. Parce que globalement, nique ta mère. Je veux dire, c'est pas... pas logique, c'est pas cohérent, c'est pas... Euh... C'est pas... C'est pas raccord avec ce qu'on essaie de raconter dans le film. Et merci qui Bah merci Warner. Puisque globalement, c'est la Warner qui est allée chercher David ailleurs en lui disant Non, non, toi tu refais ça, 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 ça. Tu me repompes ça, ça, ça. Parce que moi je veux pas ça, je veux que ce soit ça. Bah ben ouais, mais bon, là, à un moment donné. Euh... Il assure le taf, le maquillage, l'ambiance, c'est juste frustrant. On s'en branle les 3h30 précédentes. Le chef-d'œuvre, il devrait être à venir dégoûté. Oh, on s'en branle pas des 3h30 précédentes. Déjà, honnêtement, euh, moi il y a un truc que j'ai envie de dire. Euh, par rapport à la Snyder Cut, pour revenir sur le produit Snyder Cut, est-ce qu'on en parle du rythme Parce que ça aussi, c'est très fort. Euh, le rythme du film, pour revenir plus en détail sur Justice League, c'est quand même euh... 4 heures et, et c'est ultra rapide. Et c'est pas donné à tout le monde, je veux dire, globalement. C'est vrai que ça peut être l'argument bateau ultime. Ah hein. oh ouais, super, euh, le film il passe vite, c'est pas un argument. C'est pas un argument de dire que ça passe vite. Mais c'est un argument de dire que 4 heures de film réussir à le rythmer aussi bien dans sa temporalité, dans son axe narratif et dans ses scènes d'action, c'est très 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 fort, surtout que c'est chapitré. Globalement, un film de 4 heures chapitré, il y avait des chances que beaucoup de gens se disent, bon bah vas-y c'est chapitré, super, je pourrais arrêter au troisième, comme ça je fais moitié-moitié. Et bah là non, pour le coup, les 4 heures de film, elles passent à une vitesse hallucinante, parce que c'est bien rythmé, je le dis sans arrêt, je l'ai dit hier en live. Je l'ai dit sur Twitch, là, je le redis là parce que je n'ai pas eu le temps de le dire dans ma critique. Et au moins, il y aura un point de chute pour mes vidéos. Quand j'ai regardé ce film-là, soit je mangeais mon bras, soit j'allais en course avec euh, fin, ce fameux confinement qui était encore à 18h à cette époque-là. Euh, donc, euh, donc, donc voilà. Il euh, y a euh, cette idée que moi, il fallait que j'aille faire des courses et forcément, il fallait que je mette le film en pause sur mon premier visionnage. Ça me faisait chier. Parce que j'aime pas faire, mettre des films en pause. Euh, Irishman, je me le suis tapé en une fois. Là, c'était bien. Et je vois l'heure qui passe, et je fais putain, merde, 17h. Si je vais pas en course maintenant, il reste 1h20 de film. Je pourrais pas aller en course et je vais bouffer mon bras. Je me ferais chier parce que pas dépenser autant de thunes sur mon bras pour me le mettre à le, à, à le manger. Puis mon droit, euh, bon, bah, en plus, je suis gaucher. C'est vrai que j'aurais pu manger le. Tu sais, le mec qui part vraiment dans un espèce <laughs> Part vraiment dans la maîtresse de truc à la Arnaud de sa mère. Non, mais sauf si, effectivement, je mange le bras droit. Mais euh, voilà. Euh. J'étais obligé parce qu'il fallait que j'aille en course. Donc j'ai mis en pause au chapitre 6. Il me restait une heure à peu près. Pour vous dire à quel point le film était bien rythmé, pour vous dire à quel point il a réussi à me tenir en haleine, j'étais dégoûté de devoir aller en course. Alors qu'il me restait... Je, ça faisait déjà trois heures que j'étais devant, quoi. Et la deuxième fois que je l'ai regardé, j'ai divisé en deux, pour moi, parce que c'était après un stream et puis avant que je fasse ma vidéo. Euh, alors, forcément, j'avais pas me coucher à 8h du matin, mais, euh, mais globalement, bah ouais, j'ai regardé en deux fois deux heures, et c'est passé tout aussi rapidement. De la même manière que Batman v Superman était un film assez long dans, dans, dans sa version longue, mais qui était extrêmement fluide, je trouve que c'est globalement euh, une oeuvre qui est une leçon de rythme. C'est une leçon de rythme, et il euh, y a plein de choses qui sont intéressantes en fait quand on pense à ce film là, clairement, hein, parce qu'il faut pas oublier que euh, la Snyder Cut. Il n'y a eu que 3 jours, je crois, de reshoot. Il y a eu 70 millions de budget ajoutés, mais les 70 millions de budget ajoutés, ça a été globalement euh, pour, euh, pour les, les effets visuels. Mais il y a eu que 3 jours de reshoot. Et 3 jours de reshoot, ça veut quand même nous dire un truc. C'est que tout ce qu'a fait Joss Whedon, on a tout viré, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes de Joss Whedon. Que ce soit la scène de fin avec Flash et Superman qui font la course autour de la Terre. Que ce soit la scène d'intro avec Batman qui voit un démon, il enfin, y en a plein, plein, plein de scènes de, de, qui, qui ont été virées. Et il n'y a eu que trois jours de reshoot. Donc globalement, Zack Snyder, il avait déjà énormément de matière. Mais il avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Et donc il l'a retravaillé, il l'a remonté, il l'a refaçonné, il l'a rebricolé, il a fait des reshoots, etc. Mais, euh, mais il avait beaucoup de matière. Et c'est ça que je trouve assez dingue. C'est encore une fois, quand tu vois d'où ça vient. Le mec, même, même la post-prod a été catastrophique, parce qu'il a fallu retirer les choses que Joss Whedon avait fait, euh, il a fallu tourner des choses en séparé, comme dit César, ouais, je veux dire, Ben Affleck et Jared Leto à la fin, pareil, juste pour redonner encore un petit peu de gré et un petit peu de grain à, à Moudre, à, à mon ami Jared, qui porte le nom de mon film préféré, donc je suis obligé de l'aimer, ce garçon. Mais Jared Leto, euh, globalement, le mec n'est même pas au même endroit que Ben Affleck, hein. Et aucun acteur, je crois, sur la scène finale du Nightmare, il y a aucun, aucun acteur n'a tourné avec les acteurs en question. Donc t'as Ben Affleck et, euh, et, et Jared Leto qui tournent en, euh, par presse interposée et ça donne quand même une, une osmose qui est énorme à l'écran. Hein. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est aussi, imaginez, moi je veux pas encore revenir sur le cas de Jared Leto, mais imaginez Jared Leto, le mec a été ultra déçu par rapport à euh, par rapport à, 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 à comment dire, à plein de trucs. Euh, il a été ultra déçu qu'on n'ait pas utilisé son personnage. Il revient de la David d'ailleurs, les trucs, les machins. On le rappelle pour jouer et en plus il joue seul et il fait ça. Bah, c'est pas mal. Il n'a pas retiré ce que Wedon avait fait avec ses images. Non mais je veux dire globalement, je parle vis-à-vis -vis du spectateur. En gros, vis-à-vis -vis du spectateur, tu vois le film en entier et tu vois ce qu'avait Snyder. Snyder, il avait déjà tous ses shoots, il a fait que des reshoots. Mais derrière, toi en tant que spectateur, quand tu regardes le film, bah tu joues en fait toi à retirer tous les passages de Joss Whedon pour remettre les autres pour voir. Et en fait, ce que je veux souligner là-dessus, c'est qu'en gros. Euh, le montage à mon avis tu vois il a dû être long quand même hein, parce qu'il avait quand même beaucoup de rush et toi quand tu regardes le film tu te dis je vais essayer de voir là où le montage a été différent en retirant de toi-même spectateur ce que tu savais de l'ancien mais c'est impossible c'est pour ça que je dis je vois Real Scorsese qui dit euh, euh, ouais mais euh, est-ce que ça vaut le coup que je regarde celui de 2017 où on s'emballe avec mec il n'existe pas ce film là dites moi dans le chat si vous êtes d'accord hein, mais je pense que vous serez d'accord avec moi le Justice League de 2017 n'existe plus. Il est mort et enterré euh, dans un, dans, 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 au même endroit qu'on enterre Wonder Woman 84. C'est le, 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 bah, un endroit d'enterrement, c'est un cercueil, hein, c'est un cimetière, cimetière d'ici ou euh, qui n'a pas marché. Euh, donc, euh, non, globalement, euh, on s'en fout. Ne, ne regarde pas ça, regarde la Snyder Cut si ce n'est pas encore fait. Mais va pas. Surtout si t'as vu la Snyder Cut, va pas te faire du mal à regarder celle de 2017 derrière. Hein. De toute façon, elle sert à rien. Elle sert à rien, parce que dans le lore et dans l'univers, de toute façon, elle est par accord elle est pas. Elle est. elle, elle existe plus. Ce qu'il faut retenir, c'est la version de Zack Snyder. Parce que, eh, globalement, moi je tiens quand même à souligner ça aussi. Pourquoi c'était important pour lui de le faire et pourquoi on peut être content qu'il ait réussi à, à sortir ce film-là, bah, c'est pour la simple et bonne raison que euh... le père du DCU, c'est qui je vous, de, je vous demande littéralement, mais d'où vient le DC Extended Universe Toute la mythologie dont on parle, tout le lore et tout l'univers de DC actuellement, qui l'a créé Au cinéma, je veux dire, j'entends comme on le voit maintenant, le DC EU, qui l'a créé Question simple. Et comme dit le sel qui sale, c'est Zack qui Zacky, hein. C'est Zack Snyder. Mais, mais ça, ça, à un moment donné, ah non, c'est pas Nolan. Ben Nolan, c'est pas du tout le DC Extended Universe. Nolan, c'est une trilogie. Euh... Nolan, c'est une trilogie qui appartient qu'à lui. Mais c'est Snyder, celui qui a créé avec Henry Cavill, Ben Affleck, etc. C'est Snyder. Nolan n'a rien à voir là-dedans. Moi, je parle juste du DCU. Je veux dire le, le, le tout ce qu'on voit là et tout ce qu'on voit d'avant, c'est Snyder. Et, 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 et globalement, pour moi, le père du DCU, c'est lui. Man of Steel, c'est lui qui commence. Batman v Superman, c'est lui qui fait. Justice League, c'est lui qui fait. Production Wonder Woman, production euh... Suicide Squad. Euh, et euh, je me demande si euh, derrière, y a pas, euh, il n'a pas peut-être produit Aquaman et les autres avec. Je ne sais pas. De... Je, je sais... Aquaman, je sais pas s'il était encore tellement rattaché au, au projet. Euh... Mais... Euh... Mais en tout, cas, en tout cas, il était... Euh... Il était clairement là-dessus, quoi. Wonder Woman 84. Euh... Non, non, lui, non, je pense pas. Hein. Je pense que là, on était trop, trop loin. Mais... Si, si, il produit. Ah, il doit être en production exécutive, mais... Euh... Nolan a produit les films de Snyder. Nolan est derrière pas mal de choses. Oui, mais Nolan produit. Nolan, il produit. Certes, Christopher Nolan, oui, il a produit pas mal de trucs. Mais, euh, mais, 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 mais globalement, euh, derrière. Enfin, je veux dire, tu sais, Nolan, il est crédité. Parce qu'effectivement, Man of Steel, euh, il euh, y avait eu les Batman de Nolan. Bon, moi, bon, bon, c'est comme ça que je le représente. Mais Nolan, euh, il, est, il, a, il, a, il a fait la, la, la trilogie euh, des de, de, de Batman. Et derrière, je danse, pense qu'on a surfé. C'est plus ça, hein. la production pour moi de Nolan, parce que tu retrouves beaucoup plus de Snyder, quoi. Euh... Donc, euh, donc, 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 je pense que c'est beaucoup plus là-dessus. Quand tu vois euh... comment c'est sorti le truc, ta Man of Steel qui est lancé parce qu'on surfe sur Batman. Donc, comme on surfe sur le succès des Batman de Nolan, y a Nolan qui est aussi à la prod, mais pour moi, ça reste du Snyder. -dire Nolan, globalement, à part avoir effectivement produit euh, certains films, pff, je mets beaucoup plus de crédit sur Zack Snyder que sur un Nolan qui, euh, qui a produit le truc. Parce que Nolan, il a produit, parce qu'on savait aussi qu'en en mettant Nolan à la prod et en laissant un peu à Nolan l'occasion quand même d'être ancré dans Man of Steel, il bah, y avait cette opportunité à un moment donné de rattacher les gens aux anciens films Batman, etc. Donc pour moi, euh, pour moi je pense que c'est vraiment Zack Snyder qui a. Euh, qui a créé la base des bases, la base de l'idée du Batfleck, euh, la base de l'idée Wonder Woman où on retrouve vraiment de similitudes avec 300, ce qui aurait peut-être pas été pareil avec, euh, avec, euh, avec les autres. Enfin, pour moi, c'est l'âme l'âme Zack Snyder, elle transpire de partout. Oui, ça a été aidé par Nolan effectivement à la prod. Parce que Nolan, euh, il, a, il a mis son nom là-dessus et qu'on a surfé sur le succès des films de Nolan. Mais je pense que vraiment, euh, il vraiment, y a, mon avis, une amitié, un gros respect mutuel entre les deux, entre Nolan et, euh, et, et, et Snyder, qui est assez évident. Mais, euh, mais on, on, on l'a poussé à y aller et derrière, ben, Snyder, il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. <laughs> Nolan est aussi au scénario de Man of Steel. Ouais, mais pour moi, Man of Steel, ça reste quand même. Man of Steel, c'est peut-être la transition. Euh... Man of Steel, c'est la, la belle transition qui va pouvoir exister entre euh, le Batman de Nolan et puis ce que deviendra ensuite l'univers de Zack Snyder. Euh... Apparemment, Kanaki essaie depuis tout à l'heure d'écrire dans le chat, mais ses messages sont bloqués. Tu sais pourquoi Non, je vais. Euh, non, du tout. Je vais regarder comme ça. C'était déjà arrivé à Grimes. Alors je sais pas du coup si je sais pas si Grimes a réussi à, à avoir le truc, mais Grimes est déjà arrivé plein de fois à l'époque euh, dans mes live Walking Dead qu'il essaie d'écrire. Et euh, alors chose encore plus con, moi j'arrivais à voir ses messages mais le chat ne le voyait pas. Mais ben, je vais essayer de régler ça tout de suite. Je vais aller voir, mais non il y a aucune raison que Kanaki soit bloqué. Je vais regarder, ça, je réponds à mes deux dons et je vais je vais voir ça tout de suite parce que ouais ça fait chier. Je savais même pas que du coup il était là. Je vais regarder ça maintenant. Merci beaucoup Vic pour le don. J'ai pas trouvé Darkseid imposant comme un Thanos. Euh... Bah, c'est plus ou moins la même, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Je veux dire, les idéaux sont plus ou moins les mêmes, mais euh... oh, c'est peut-être pas le but. Je ne connais pas suffisamment Darkseid pour le coup pour juger. Merci beaucoup, Félix pour le nom. Snyder a créé le DCU avec noan à la l'approche. Je pense que même si Nolan avait créé le DCU, il aurait eu le même amour que Snyder pour l'univers. Tellement il a mis de l'amour pour l'univers, Batman. Ah, bah, ça, j'en ai aucun doute. Ça, j'en ai aucun doute. Enfin, je veux dire, euh... globalement, euh... globalement, oui, ça, je suis convaincu que. Euh... Euh, je suis convaincu que si ça avait été vraiment, euh, si ça avait été vraiment Snyder, enfin euh, Nolan qui avait géré l'entièreté du truc, ça aurait donné quelque chose de bien. Mais ça aurait donné du réaliste. Je pense que ça aurait donné quelque chose de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus peut-être profond, bon, et encore profond psychologiquement. Je trouve que Zack Snyder, il laisse l'occasion quand même. Il n'oublie pas d'écrire. Hein. Il n'oublie pas de laisser, euh, laisser euh, ses personnages euh, discuter. Donc, il euh, y a, ouais, il y, y a cette opportunité là qui est assez évidente sur euh, sur Nolan. Mais, euh... mais ça aurait été un univers extrêmement réaliste et je pense pas derrière qu'avec un gars comme Nolan on aurait eu euh... un Batman V Superman de ce style on aurait peut-être eu moins d'élégance dans l'esthétique on aurait peut-être moins eu ce côté pictural et euh... bah je trouve ça bah, moi j'ai tendance à dire que je préfère en fait que ce soit Snyder qui s'en soit occupé pour moi Nolan il a réussi un truc qui est assez prodigieux en faisant ses Batman mais euh... Le... Snyder a une vision comics. Snyder a une vision esthétique, a une vision picturale de peinture, de tableau en mouvement, de... qui correspond peut-être mieux, tu vois, à ce qu'aura été ensuite Suicide Squad, etc. Si Suicide Squad avait été un bon film. Euh, BVS, Justice League, euh, voilà. Euh, donc, je tendance à dire que pour, pour créer un univers, je préfère un Snyder. Après, bon, bah, heureusement, Christopher Nolan était quand même là euh, sur, euh, sur Man of Steel. Euh, mais, euh, mais je pense quand même que celui qui a vraiment fait du de, de DC Extended Universe ce qu'il est le vrai le, le, le DC Extended Universe pour moi c'est le bébé de Snyder Christopher Nolan évidemment a aidé Zack Snyder et évidemment qu'il a été il a été, euh, il, a été euh, il a été ultra important là dedans mais sur le premier film et un peu pour chapeauter les idées des suivants mais je reste convaincu que ça reste l'univers de la mythologie. Enfin, quand tu regardes le nombre de choses mythologiques qu'on a pu inclure, avec les Atlantes, les... Bon, c'était logique, évidemment, vu les comics, mais les Atlantes, le, le design, le design de, de Wonder Woman, les Amazones, la musique. Même la musique, je veux dire, globalement, même la, la, les temporalités musicales. Bon, vous allez me dire, c'est pas Zack Snyder qui les fait, mais il a quand même son mot à dire. Et puis, il y a les compositeurs qui travaillent sur ces films à lui. Ça fait très 300, quand même. L'idéologie de certains personnages, notamment Cyborg, etc. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de Zack Snyder. Je vais regarder pour le canaqueux ce qui se passe là, parce que je, putain, ça m'avait déjà fait la même chose avec le Grime Sounais. Euh, voyons voir. Oh putain, c'est où euh, Paramètres Ouais. Chaîne, je pense. Communauté. Voilà, utilisateur masqué. Bon, bah, mot bloqué, non. Euh... Je suppose que ça doit être Kanaki le pseudo, le même. Mais attends, Kanaki, je l'avais encore vu l'autre jour. Bah, je vois pas, je regarde, mais je sais très bien que j'ai pas bloqué Kanaki. Mais euh... il a encore écrit euh, il y a une semaine ou deux sur un Live Walking Dead. <laughs> Ah non, il est pas je sais pas. Faudrait qu'il demande à faudrait qu'il demande à Grimes. Je suis en train de me rendre compte que j'ai bloqué tellement de mecs. <laughs> Tell... il y a tellement de gens qui sont bloqués, je me suis pris tellement d'insultes en 6 ans. Ah là là. Euh... Bah non... Je sais pas. Dans la ligue, il euh, y a du 300, du Watchmen et du Man of Steel. Euh... Ouais, y a, y a de... il ouais, ouais, bah, y a vraiment, euh, vraiment, du... bah, vraiment l'ensemble. Après, de toute façon, quand tu regardes l'intégralité du truc, euh, je veux dire, 300, Watchmen, il y a du 300. Dans Justice League, il ouais, y a du 300, il y a du Watchmen. Bon, du Man of Steel, ça reste normal, puisque c'est dans la même continuité. On en parle du Aquaman, de la Snyder Cut, avec son film solo où il y a des faux raccords, exemple la rencontre avec Mera. Euh... Bref, il y a des, t'es trop Ouais, bah ouais, <laughs> ouais c'est vrai que général, je devrais moins le prendre mal quand on me dit fils de pute. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <laughs> Non, mais... oui, il y, y a quelques. Après, c'était compliqué aussi parce que la, la, la prouesse quand même de, 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 de euh... la prouesse de, de l'œuvre. Euh, c'est d'avoir réussi à un moment donné, enfin, en tout cas, je trouve, hein, moi, de, de mon point de vue, c'est euh, d'avoir réussi à rendre ça raccord, alors qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis. C'est-à-dire que là, le truc, c'est que quand il reprend euh, Justice League, euh, quand il reprend Justice League, le mec, il se dit, euh, je dois faire un film qui se passe avant des tas d'autres films, et euh, putain, ça va être lourd, parce qu'au niveau de. Il va falloir que je gère le montage correctement. Forcément, les films qui sont après, bah, j'ai peut-être des reshoots pour les rendre plus cohérents, des trucs, des machins. Le live sera en rediff, ouais, il n'y a pas de souci. Euh, donc, euh, do 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 c'est compliqué, euh, compliqué à mettre en place. C'est compliqué à mettre en place. Moi, ce que je trouve qu'il a fait, c'est vraiment une, c'est un peplum. Pour, pour, pour moi, en tout cas, c'est un peplum de... C'est un péplum de, 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 un péplum de, de quoi de, 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 de 4 heures, quoi. Peplum super-héroïque. Un film long, un film qui prend le temps, un film imposant, avec des vraies valeurs... Euh... Du pur Snyder dans le jus, euh, et le pur Snyder, on le voit parce qu'on va parler un peu du film et de l'esthétique, mais c'est du pur Snyder euh, dans, dans le côté fresque. Vraiment, quand tu regardes l'image, le, 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 il y a un travail de la photographie, de la colorimétrie intime, d'auteur, où il euh, y a certains plans que je trouve assez iconiques. Le plan où Superman va tendre les bras euh, comme si le monde lui appartenait avec le soleil, qui, qui avait, enfin avec lui cachant le soleil, tu peux, tu peux carrément voir un tableau là. Tu vois un tableau, tu vois une peinture, c'est une évidence. C'est une évidence. Quand tu vois... Euh, quand tu vois... Il euh, euh, oh, y, y, y en a d'autres, mais... Euh, euh, quand tu vois la fin, le, le, les, le truc du nightmare à hein, l'univers Mad Max, je trouve ça très fort aussi. Quand tu, quand tu prends en, en, en compte... Il euh, y a un plan qui est très beau aussi avec Cyborg euh, qui va écarter euh, deux espèces de, 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 de boules, enfin de taureaux euh, mécaniques euh, dans, le, dans la nuit. Enfin c'est des choses qui sont vraiment, vraiment très belles, tu vois, esthétiquement, picturalement. C'est un tableau devant toi, t'as une sorte de tableau, t'as une sorte de de, de, ouais, de de fresque que tu vas découvrir. C'est pour ça que je pense qu'il insiste beaucoup sur les ralentis. Il y en a un qui est très bien, qui aurait pu faire wallpaper aussi, qui fait vraiment un vie tableau avec un ralenti. En plus, je pense qu'en 3D, ce plan-là aurait bien donné. C'est un plan où il euh, y a Batman en, 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 en Batmobile, et puis tous qui vont arriver sur le même plan. Et en fait, quand ils arrivent, eh ben, tu vois les 6 mecs, euh, tu, vois les, tu, tu les vois les 6 en, en train d'arriver au ralenti, et ils arrivent au ralenti, et justement... Il euh, bah y a un ralenti extrêmement rapide sur les six qui sont là Moi bah, je trouve que c'est vachement élégant quoi. Pourquoi je me dis que tu avais éminé mon concert en 2014 Je ne sais pas Je, je sais pas J'ai vu Rihanna aussi C'était l'avantage Même de loin elle est belle hein. Ça c'est une conviction que j'ai Merci beaucoup Johan pour le don La relation Snyder-Nolan dans le DCU Fait penser au duo Spielberg-Lucas sur l'Indiana Jones oh, Ouais mais en... Ouais 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 En moins... En, 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 moins, impact... en moins impactant quand même Spielberg-Lucas, tu sens vraiment qu'il travaillait main dans la main. Pour moi, vraiment, il y a cette, cette identité-là. Snyder-Nolan, moi, je persiste et signe là-dessus. Nolan a été très important à la prod pour que les gens se disent tiens, on va aller voir parce que c'est le mec qui nous a sorti les Batman. Euh, ça a été très important pour mettre en place peut-être quelques prochains films par la suite. Et puis, euh, bah, pour certaines personnes, je pense que. Il y a quand même, euh, il y a quand même quelques, quelques castes et puis quelques idées qui peuvent venir de Nolan. Mais tu ressens tellement l'amour de Snyder et tu ressens tellement l'univers que Snyder, que Snyder, Snyder derrière, il a porté le truc. Justice League, il appartient qu'à Snyder, par exemple. Et je pense que Snyder, il avait une vision qui allait très 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 loin. Bien plus loin que Nolan, parce que je pense que Nolan a laissé largement les clés derrière par confiance. Donc ça m'étonne pas que les deux soient potes, ces deux visionnaires. Hein. Je veux dire, Nolan et Snyder, quand les deux s'associent, ouais, c'est du, du gros gros travail. Et de toute façon, ça reste deux auteurs. C'est des mecs qui font des blockbusters et qui savent faire des blockbusters, ça c'est sûr. Mais c'est des maîtres du blockbuster d'auteur. 300, pour moi, c'est un blockbuster d'auteur. C'est intimiste, hein, dans une certaine mouvance. Grâce aux fans, le Snyder Cut. Grâce aux fans, la suite. Merci beaucoup, Franck, pour le don. Bah, on, on, Peut-être. Euh... C'est possible qu'il y ait par la suite... Euh... C'est possible qu'il y ait par la suite une. Grâce aux fans, grâce à l'engouement, euh, Warner qui finit par se poser des questions. Ça, ouais, c'est effectivement possible. Sur Flash, il y a trop de ralentis. C'est les ralentis qui m'ont le moins dérangé, moi, pour le coup. Parce que sur Flash, c'est obligatoire. C'est obligé, puisque de toute façon, par rapport, rapport avec la super vitesse, euh, bah. Enfin, ce serait pas très intéressant, en fait, de, de le filmer rapidement. Enfin, tu filmerais rien, le mec serait déjà barré. Non, les, les ralentis. Alors, il y en a beaucoup, hein, moi, mais les. Parmi les défauts du film, quand même, euh, et qui sont des défauts de qualité de l'esthétique et du style Snyder, parce que bon, j'apprécie pas tout non plus, ben bah ouais, c'est les, les, les ralentis à outrance. Le, 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 c'est pas un film en fait tourné normalement. C'est un film tourné au ralenti avec de temps en temps, <laughs> avec de temps, en temps des passages de mecs faits normalement. Parce que sinon, c'est vrai que ça ferait chier. Mais, euh, mais, 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 euh, mais, mais moi je pense que c'est plus un délire dans ce style. Hein. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de ralentis euh, un peu un peu lourds. Ralentis sur les chiens qui aboient ralentis sur. Euh, pour le coup, là c'est vrai, sur euh, l'humour qui est peut-être à un moment donné parfois trop présent. Flash qui va récupérer une saucisse. Euh, bon, pff, au ralenti en plus, je vois pas trop l'intérêt. Euh, beaucoup de ralentis dans les scènes des Amazones quand Steppenwolf arrive, où là je me dis putain, c'est voyant en plus. Tu sens que c'est un peu... Euh, même pas pro féministe parce que la femme forte, l'Amazon, c'est normal, mais c'est des ralentis qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de ralentis, et la scène, de, pour moi, de Steppenwolf est impactante dans le côté bouillie numérique. Faut pas oublier non plus que, par moment, effectivement, il y a de la bouillie numérique, euh, et il y, euh, y, a, y, a, y a vraiment trop, trop, trop de, de, de comment dire d'effets de style qui tuent l'effet de style quand il y a trop d'effets de, visuels. Ça marche bien sur la scène finale, parce qu'en rapport avec la photo, il a retouché complètement la colorimétrie, c'était superbe. Ça marche bien sur la scène de l'arrivée de Darkseid, aussi, euh, avec les, 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 les Atlantes, les, les Amazones, Zeus et euh, son fils qui vont se battre, etc. Là-dessus, ça marche plutôt bien, mais il y a des choses sur lesquelles ça marche moins bien. Salut Dachad, comment ça va Et merci beaucoup, Félix, pour le don, le teasing de Ryan Choi pour un prochain film Atom. Euh, euh, Alors, attends, parce que là, du coup, faut... Atome, c'est d'ici, faudrait que je vois ce que c'est parce que pour le coup. Alors ça me dit rien du tout. Euh... Ray Palmer. Ouais, je vois, il y a une première photo qui est sortie de Ray Palmer en Atome, mais je connais pas du tout. Alors pour, pour le coup, je vais vous dire c'est quoi C'est euh, un mec qui peut voyager dans les, dans les atomes des gens C'est un mec qui peut devenir tout petit C'est quoi C'est l'équivalent d'Antman Je connais pas du tout là, hein, donc euh, je, 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 je découvre. Euh, je connais pas Atom Ça a l'air d'être un mec qui peut peut-être voyager dans l'infiniment petit Dans les atomes des gens, etc, non j'en sais rien Je vois une photo là où ça le rapproche avec Ant-Man Donc euh, ça doit être un mec dans ce style C'est ça Ok, ouais C'est le Ant-Man de DC, d'accord, ok, ouais Bon bah il m'a pas fallu prendre longtemps pour, leur... pour le Pour le... Pour l'identifier le, pour L'esthétique de Te Steppenwolf est exceptionnelle Oh là là, mais alors ça par contre Alors ok, euh... ouais, pareil au niveau des changements esthétiques, Steppenwolf, etc., le, 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 certaines... Euh, comment dire euh, certaines, certaines, un, Certains nouveaux visuels, notamment des démons, etc. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus travaillé, je peux comprendre qu'il faut aimer. Putain, c'est chaud de voir l'avant-après. Steppenwolf en version 2017... Putain, vache. Alors... Même l'impact de Stephen Wolf, je veux dire Stephen Wolf, il a une rédemption, il a un travail avec, euh, avec Darkseid, il y a une vraie profondeur sur ce qu'on voit, il y a du travail. Je suis désolé, hein, mais la version de Joss Whedon, en termes de scénario, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Euh, mais globalement, euh, je veux bien qu'on dise que le nouveau Stephen Wolf, il a un visuel PS5, au moins il est travaillé. Euh, et euh, la version de 2017, elle est affreuse, et surtout c'est le pire antagoniste de l'histoire. Je, je, je veux dire, euh, attends, le, globalement, le, le, le Steppenwolf de, de, de 2017, c'est l'un des plus caricaturaux que j'ai vu de ma vie, quoi. C'est infernal, hein, c'est infernal. Là, au moins, ils ont réussi ils ont réussi à un peu le redévelopper, quoi. il y a toujours ce côté, euh, comment te dire Tu peux. Euh... Je, je comprendrais les gens qui sont un peu hermétiques au, au fait que ça fasse quand même assez cinématique PlayStation 5. Et je comprendrais les gens qui, par rapport à l'armure, tu vois, par rapport au positionnement de combat, etc. Euh, c'est vrai qu'il faut aimer le visuel. Il faut aimer le visuel, aimer le visuel de l'armure. Il faut aimer comment l'armure est faite, Tu vois, cette espèce de truc avec des ordres de d'épines de, de partout. Bon, globalement, euh, globalement, il faut apprécier. Il faut apprécier l'idée. Mais je crois que dans le, je vais regarder. Mais dans les, dans les comics, c'est à peu près. Ah oui, dans les, ouais, dans les comics, il est complètement différent. Ouais. Oh là là, je me retape une image là, de Stephen Wolf dans, dans la version de Justice League de 2017, quel enfer. Euh... Ouais, C'est vrai que Stephen Wolf est assez différent, alors après il y en a peut-être eu plusieurs, parce que là de ce que je vois il n'y en a aucun qui ressemble au Steppenwolf Wolf de... De, de, du... du film. Oh là là, mais quel enfer, il était dégueulasse celui de 2017, dégueulasse. Après il s'est peut-être accordé plusieurs libertés. Hein. Euh, mais euh, le Stephen Wolf des comics, ouais, j'ai pas l'impression qu'il soit très proche de celui du film. Mais euh, mais, mais, mais pour moi c'est vraiment pas un mal parce que euh, honnêtement vu ce que je vois de, du Stephen Wolf du peu de comics que j'ai pu voir, bah globalement ça aurait rendu ça moins pertinent. C'est juste un humain dans une armure quoi. Là le truc est plus imposant. Tu vois vraiment qu'il y a un côté très euh, très méca. Mais euh, j'aime bien, moi, le côté méca-organique. Donc, je trouvais ça intéressant, en fait. Le fait qu'il ait des, des, qu ait des épines un peu partout, tu sens les écailles. Euh, euh, moi, je trouve que c'est bien que ça n'ait pas de rapport avec le comics, parce que ça donne un côté méca-humain. Euh, pas, pas forcément méca, mais organiquement, tu vois. Tu as même l'impression que l'armure fait partie organique de la personne. Et ça, moi, j'aime bien. Alors que dans l'autre, c'était juste une armure Wish en CG euh, pff, dégueulasse, euh, qui était infernale, hein. Il s'est accordé des libertés par rapport aux comics, ne serait-ce que pour le scénario. Ouais, non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors après, il y a Darkseid. Je vais regarder Darkseid si ça se rapproche. Darkseid, à mon avis, vu le physique du mec, euh, je pense que ça doit se rapprocher à un brin plus. Ah, fouet ouais. ouais, si, ouais, ça s'en rapproche quand même plus. Si, si, ça s'en rapproche quand même. Darkseid, il s'en rapproche quand même un peu plus. Mais, mais. Dans les grandes lignes, dans les grandes lignes, ouais, ça s'en rapproche. Je pense que par rapport à Darkseid, il pouvait prendre moins de liberté tellement le mec est ultra important. Euh, mais euh, ouais, ça se rapproche beaucoup d'une photo que je vois là, là. Mais bon, le design est beau, moi je trouve, de Darkseid. donc euh, ça me dérange pas plus que ça. Donc non, c'est une bonne. C'est, bah, ben, il y a des euh, PSG 4 euh, en mode tueur et 4-0 là, putain bien, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est le mec qui va vraiment sur l'équipe pour regarder les résultats du PSG avant de. live. Euh... <laughs> Paris ne laisse aucune chance. Donc c'est pas encore terminé. 4-0. Euh... Il a remis Draxler sur le banc. Di Maria, Pereira, Di Maria, Mbappé. Ok, ok. Ok. Pas de changement pour l'instant. J'ai pas l'impression. Putain, 4-0 contre Lyon. Euh... Lyon qui était juste en dessous, je crois, à égalité de points. Euh, ouais. Ouais, ouais, c'est trois points qui font plaisir. Et Paris repasse premier. Euh, du coup, euh, avec ce qu'a Lille. Donc, c'est pas mal. Ça me va. <laughs> Ça me va. C'était bien. Il euh, était temps qu'ils se mettent à gagner. Restore de Snyderverse. Merci beaucoup, Val. Le film Flash te hype. Bah, alors, le film Flash. Euh, honnêtement, euh, gl oui. Globalement, oui. Le film, le, le film Flash maintenant me hype. Justement. Et c'est là aussi l'une des grosses forces pour moi de la Justice League. C'est de. Euh, c'est d'avoir... De, 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 euh, comment te dire D'avoir réussi à redonner sens à l'univers. Et ça, je trouve ça bien. Il redonne vraiment sens à l'univers. Il redonne envie aux gens d'en voir plus. Là où, je vais pas vous mentir, je pense que le DC Extended Universe... Eh, il y a encore une semaine, on attendait beaucoup plus le Batman de Matt Reeves et des potentiels films comme Joker plutôt que le DC Extended Universe. C'est peut-être encore le cas maintenant pour beaucoup d'entre vous. Et je pense qu'on peut attendre les deux de façon bien différente. Mais, hé eh, c'est chaud quand même c'est chaud donc euh, donc y a, y a, y a, y a, moi je trouve qu'il a quand même réussi à redonner un truc et, euh, et, et globalement je, 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 je reconfirme là dessus mais ce que je vois à Negan qui dit je lis tellement de superlatifs que c'en est consternant c'est un film qui globalement ne peut pas être jugé, je pense, objectivement, parce que c'est un film qui revient de loin. Je pense qu'il n'y a pas de mal aussi quand tu vois d'où revient le film et tout ce qu'il a vécu et toutes les emmerdes qu'il a eues, etc. De te dire, oui, on a des superlatifs vis-à-vis d'un film comme ça qui restaure carrément tout un univers et qui fait plaisir. Tu sens que le mec te livre un film d'auteur, tu sens qu'il se fait plaisir. Il y a plein de défauts, les CG, les ralentis. Les quelques scènes d'humour euh, dispensables euh, Quelques moments par, par Où tu te sens que Bon euh, c'est pas tout à fait raccord Avec les autres univers Mais ça fait plaisir de voir un film comme ça Ça fait plaisir de voir un, un blockbuster entre guillemets d'auteur Où tu as un réalisateur de talent à qui on laisse la part belle pour s'exprimer Donc il y a, y a et puis oui Surtout qu'il le lègue à sa fille donc c'est beau quoi mais euh, j'irai pas, j'en ai parlé tout à l'heure, dire que c'est un chef-d'oeuvre. J'utilise pas le mot chef-d'oeuvre du tout, parce que pour moi, c'est pas un chef-d'oeuvre. Euh, laisser des, les mots chef-d'oeuvre à outrance, à un moment donné, ça veut plus rien dire. Mais, euh... Mais c'est quand même... Euh, voilà, je trouve que c'est quand, quand même noble. Et puis, euh, bah, le, le, le fait d'avoir Flash va peut-être emmener derrière à un multivers. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Flash, déjà, moi, j'ai hâte de voir ce que va donner le Batflag dans Flash. Puisque je vois beaucoup en Batman et, et Flash la même relation qu'on pouvait avoir Iron Man et Spider Man peut-être pas une relation paternelle autant que Iron Man Spider Man mais plus une relation de mentor et ça ça m'intéresse étant donné qu'il n'y a pas de Robin euh, potentiellement à hein, Batfleck qui va euh, aider euh, Flash et potentiellement Flash qui mènerait vers la route d'un multivers ça ça m'intéresse et ça c'est des choses qu'apporte Zack Snyder. Le traitement de Cyborg, le traitement d'Aquaman, euh, c'est des choses qu'on réapporté euh, Zack Snyder dans cette version-là, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir et, et c'est vraiment une grosse plus-value. Le, le, le design de, de, du, de, de Black, de, de, du costume de, 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 de Spider-Man, ça j'aime beaucoup. L'humour est top comparé à la version 2017 et au MCU, c'est complètement lourd. Ah oui, n'en a bah, rien à voir. Moi, c'est juste, voilà, le plan saucisse sur Flash et deux, trois scènes d'humour où je me dis, bon, c'est pas forcément ultra intéressant ni très subtil, mais euh, c'est pas grand-chose comparé à ce qu'on aurait pu imaginer. La scène finale de Flash est super, ça m'a donné envie de voir le film. Ah, mais il y en a... Ouais, il y en a plein. Moi, je, je, je considère vraiment que c'est une réussite. Hein. Et, et c'est dommage, parce que même le Batman contre Deathstroke, putain, ça, j'aurais adoré. Enfin, je veux dire, hey, Joe Montigliano qui fait Deathstroke... Doublé Real Scorsese par Monsieur Arnaud Arbessier. Alors je l'ai vu en VF la première fois, mais j'étais pas au courant. Alors il l'a déjà doublé sur sur, sur, sur euh, pas Vampire Diaries, l'autre euh, putain True Blood. Euh, C'était déjà Arnaud Arbessier qui doublait euh, Joe Montigliano sur sur True Blood. Et, euh, et voilà, même la VF est géniale. Enfin, T'as la VF de de, de de Colin Farrell qui, qui, qui est avec avec euh, Arnaud Arbessier. Ça, pour moi, c'est un régal. C'est un régal. Donc euh, donc non, moi oui. Pour moi c'est quand même une, une grosse réussite qui te donne envie d'en voir plus. J'espère, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'en voir plus. Le traitement de Cyborg, c'était compliqué parce que je l'ai déjà dit, mais Cyborg, c'est quand même le gars qu'on n'avait jamais vu ou presque. Flash, il avait déjà été là dans BVS, Suicide Squad. Allez, tu sais, à un moment donné, euh, tu peux te dire pourquoi pas il euh, y a toujours une origin story rapide à développer, mais il y a un fondement, tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui est arrivé avec lui, et on le connaît déjà, tu vois, il y a déjà une... potentiellement une petite affecte. Oh, Batman, on ne le présente plus, Man of Steel, on l'a depuis déjà trois films, euh, Wonder Woman, on en a eu deux films, et là tu reviens avec Justice League, celui qu'il fallait absolument bien développer, c'est potentiellement euh, Cyborg. Et non seulement il y arrive, mais il se permet aussi de... C'est ça que c'est frustrant, mais il se permet aussi d'amener quelques petites pistes. Martian Manhunter. Qu'est-ce que vous avez pensé de Martian Manhunter Je vous pose la question. Euh... J'ai adoré, son look est réussi. Il ne fait pas assez peur dans le design. Il était en télétravail. <laughs> ouais, bon, bah écoute, euh, non, j'avais pas le temps. C'est vrai que pour le coup, il aurait pu venir filer un coup de main, mais il ne pouvait pas, il avait le Covid. Belle introduction de marchand Manhunter. Look très très bon. Alors, au niveau du design, euh, marchand Manhunter, euh, bon, moi, le, le, la seule chose. <laughs> la seule chose que j'avais vue de marchand Manhunter, c'était euh, dans le Arrowverse. Donc vous vous doutez bien que à un moment donné, ben, bah, euh, on peut que faire mieux, hein. euh, On peut que faire mieux. Mais, euh, mais le, le, le design est, est plutôt intéressant. Bon, il est assez, euh, il est assez fidèle. Euh, faudra voir ensuite ce qu'ils en font, mais au moins il y a quand même un certain développement derrière et tu sens qu'ils le teasent. quoi. Même si c'est pas, euh, même si c'est pas forcément un, un énorme teasing, tu sens qu'ils le teasent pour plus tard et tu sens que Zack Snyder, bah voilà, il avait vraiment de l'idée, quoi. Il avait de l'idée pour la suite. C'est ça le pire. Celui de Supergirl... Ah non, mais putain... Mais c'est même pas un costume Stargate Escavax, respecte Stargate, s'il te plaît Les Goa'uld, ils étaient largement... <laughs> largement mieux faits Là, t'as vraiment l'impression de voir... Bah, Supergirl, pour moi, c'est... Euh... C'est... Euh... Pff... Bah, c'est vraiment le Power Rangers du pauvre, quoi T'sais, vraiment, les vieux effets visuels de Power Rangers du pauvre, du pauvre, quoi C'est terrible, hein C'est terrible Dans Supergirl, c'est terrible Il est ignoble euh, mais, euh, mais 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 euh... alors euh, faut respecter Stargate Stargate Atlantis aussi, j'aime beaucoup. Mais non 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 ouais. Lâche. Alors que là bon bah ouais c'est du mais, mais c'est du beau CGI parce que franchement euh, je me suis posé des questions, demande ça, ça a l'air d'être full CGI hein, globalement. Mais je me suis aussi posé des questions sur euh, sur le, le, le fait que c'était tellement propre que je me demandais s'il n'y avait pas un mélange entre CGI et potentiellement euh, vraiment make-up maquillage à part entière quoi. Ah oh, le Arrowverse, putain. Quand je pense qu'il y a Ezra Miller dans le Arrowverse, dans le machin Crisis of Middle Earth, ou je sais plus trop quoi, là, Infinite Earth. Ils ont ramené Smallville, le pauvre Tom Welling, qu'est-ce qu'il a allé foutre là-dedans oh Arrow, ah, je vais vous dire, hein, mais il y a bien un truc que je regarderai jamais, c'est le Arrowverse. Pff, à part peut-être Arrow, parce qu'on m'a dit qu'au début c'était bien. Euh... Mais, euh, mais sinon, oh là là, pff, ça a l'air tellement l'enfer, euh, ce Arrowverse. Merci beaucoup, Félix, pour le don. T'en penses quoi du Martian Manhunter de Smallville Je crois pas être arrivé aussi loin. Euh... Attends. Martian Manhunter... Smallville. Je vais te dire, parce que moi, Smallville... Euh... Smallville, j'ai arrêté à un moment donné... Non, je ne suis pas allé aussi loin que ça. Ouais, je ne suis pas allé aussi loin que ça. Donc je peux pas te dire. Je ne savais même pas qu'il y en avait un dans Smallville. Mais euh... non, moi Smallville, où est-ce que j'ai arrêté Je vais vous dire quand est-ce que je me suis arrêté dans Smallville. Somebody save me C'était bien en Smallville au début. Avec Michael Rosenbaum, le chauve. Euh... Quand est-ce qu'il est parti, lui Somebody save Je me suis arrêté à la saison 7. J'ai regardé saison 1 à 7. Quand Michael Rosenbaum, il est parti, je, je me suis arrêté. Je me souviens que Lana Lang, après, elle s'est barrée aussi. Euh, Chloé Sullivan, depuis, elle est en prison. <laughs> elle, elle est... Bon, bah, elle, elle a mal tourné. Hein. Dommage. Toute Mimi comme elle était, Alison Mack. Bon, bah, depuis, elle est en taule euh, parce qu'elle a fait du trafic d'esclaves sexuels. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Malheureusement, ça peut arriver. C'est une faute que beaucoup font. Ah, ça arrive même au meilleur Putain, quand j'ai vu ça, c'est con parce que j'ai loupé Sam Witwer du coup, qui était en Doomsday dans la saison 8, mais je l'ai pas vu. Euh... Et puis je crois, il y a peut-être Mamaro dedans, je crois. Il y a Flash aussi. Oui, il me semble que c'est. Euh... Euh... Jason Tig, C'est pas, pas ça Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Enfin, il me semblait qu'il y avait le gars de, de, de Supernatural aussi dedans. Mais je me suis arrêté à la 7, moi, de Smallville. Après, j'ai arrêté. Donc, j'ai vu, euh, j'ai vu, euh, j'en ai, ai quand même vu quelques-unes, mais Marsha de Mad Hunter, j'ai pas eu cette chance. T'as tort, Arrow, c'est génial. Euh, ben aro Arrow, moi, j'ai rien contre Arrow, parce que on m'a dit que les premières saisons étaient bonnes, euh, notamment Deathstroke, apparemment, qui est exceptionnel. De, de ce qu'on m'a dit sur Twitch, notamment quand on avait parlé la dernière fois. Euh, donc, euh, moi, Arrow, c'est vrai que de toutes celles qui sont sorties. Euh, bah C'est Arrow qui me tenterait le plus. Alors après, t'as aussi, euh, t'as aussi, euh, merde, euh, Gotham, pourquoi pas Mais Gotham appartient pas au même univers, me semble-t-il. Mais alors, Supergirl Flash, euh, euh, pff, tous ces trucs là, là. Euh, Legends of Tomorrow. Apparemment, les Jumps Tomorrow, c'est rigolo parce que globalement, ils savent mais que c'est naze, bon. donc du coup, ils font un truc pourri. Mais, euh, pardon, trafic. De... Ouais, 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 Alison Mack, elle a été. Euh, ouais, ouais, elle a fait de la tôle, je crois, ou je sais plus trop quoi, mais. Euh, elle a. Elle a... Ben, bah, c'est. Voilà, elle a fait du trafic d'organes. Il y a pas de girl aussi, ou Batwoman, enfin, que des trucs à la con. Mais non, non Alison Mack, elle a été prise pour trafic d'esclaves sexuels, ouais. La passion dit il n'y a pas de saut métier La raison dit c'est quand même pas terrible <laughs> C'est la passion ou la raison Tu sens Arthur dans On Demande 40, dans, 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 euh, dans apprendre ou à laisser. Hein. La passion ou la raison je pense qu'elle aurait peut-être dû écouter la raison Parce que la passion euh, pff, Bon là pour le coup c'est un peu limite Mais euh, ouais ouais non non ouais, ouais, C'est euh, chaud C'est chaud Épinglé. Merci beaucoup, Datchad pour le don. Pour ceux qui demandent où le film. Ah bah nickel en plus, je te remercie de, de, de le dire. Alors ouais, il y a beaucoup de gens qui demandent où est-ce que le film est disponible. Donc effectivement, iTunes, e Apple TV, Prime Video, Google Play, YouTube, euh, Google, euh, Canal VOD, euh, Rakuten TV, je rajouterai le Play Store aussi. Euh, SFR, euh, il est dispo quasiment partout. Hein, si vous voulez le voir. Tirexo, si vous voulez le télécharger illégalement. Mais allez, allez donner de l'argent, je préfère. Honnêtement, allez, c'est 13 euros. C'est le prix d'une bonne place de cinéma. Donnez de l'argent à Zack Snyder, il le mérite. De toute façon, T-Rexo, vous allez télécharger un truc qui fait 30 gigas, votre ordi va mourir, donc ne le faites pas. Mais sinon, il est disponible absolument partout. Hein. Je veux dire, il est à 13,99, c'est pas excessif. Mais merci de, de l'avoir souligné parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent. Ouais. Euh... Merci beaucoup, Antoine, pour le don. Tu crois que Donald Renew doublera la VF de l'homme mystère dans le film The Batman, sachant qu'il est la VF de Paul Dano Ce serait incroyable. Euh... Oh, bah ben, c'est possible! C'est possible. Après, euh, il s'en fout parce que globalement, ça n'appartiendra pas au même univers. Parce que j'étais en train de me dire euh, que euh, bah, globalement, il faisait aussi euh, Jesse Eisenberg hein, il, faisait, euh, il faisait Lex Luthor. Mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais comme c'est pas dans le même truc. <laughs> sur Game Boy Color aussi. Sur Game Boy Color, il est dispo sur, sur DS, sur Switch. On sent... Bah, techniquement, sur Switch, tu peux le regarder. Je ne le conseille pas, mais tu peux le regarder. Disais, sur DS, il est dispo sur, euh, sur, 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 sur Nokia 300D. Tu t'en bats les couilles. Z Zack Snyder, il a dit, frère, je m'en fous. Tu le regardes sur PS2, tu peux le voir quand même. Il s'est dit, je m'en branle, hein. donne-moi 13 euros sur n'importe quel support. mais Superman à Lois. je sais que je ne regarderai pas, ça ne m'intéresse pas, mais apparemment, c'est bien. C'est bien. Les saisons 1 à 3 de Arrow avec Deathstroke et Ra's al J'adore l'acteur qui joue Ra's al d'ailleurs, qui était dans... Euh... Dans, dans, dans... Alors pas dans mon cul, hein, mais il était dans, euh... dans... Merde, dans Riddick 3. Il jouait l'un le, 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 bah, des principaux personnages de Riddick 3, donc j'aime beaucoup. Mais j'essaierai de, euh, de regarder les trois premières saisons de Harrow, euh, et puis ensuite euh, m'arrêter là. Genre euh, vraiment euh, me dire, terminé euh, pour le reste. Du, euh, euh, autant de l'âge du temps que fait euh, autant que je vais me la faire euh, au pieux comment il va Jordi forcément tout de suite on parle dans du caméra café avec Jordi même si on parle de la Snyder Cut est-ce que tu as vu alors Jordi Delbois toi qui aimes les beaux plans toi qui aimes l'esthétique la photographie etc. Euh, est-ce que tu as vu la Snyder Cut du temps de l'âge de feu <laughs> euh, aussi dur qu'un pneu euh, bon on va s'arrêter voilà c'est ça autant que faire se peu Merci, Nancy. Nancy Langeais. Est-ce que tu l'as regardé Parce que toi, je pense que t'aimerais bien, hein J'avais jamais remarqué qu'il était dans Riddick. Ouais, il y avait... Bah, parce que tu... te connaissant, tu avais les yeux euh, rués. Et... Dave Bautista. Mais y avait, euh, il était dans Riddick. Et Riddick 3, qui est pas mal. Qui essaie de faire... Il un... y a Karl Urban aussi, dedans. Qui essaie de faire un mix du 1 et du 2. Euh, en faisant moins bien que le 1 et le 2. Mais qui n'est pas une suite forcément ignoble. Hein. Euh... Ne, 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 ne prenons pas des vessies pour des lanternes. Voilà, ça ne voulait rien dire, mais je trouve que ça fait plutôt classe. Euh... Tac, tac. Euh... Alors, attendez. Hop. Voilà, j'envoie un message vite fait pour mes rushs de documentaire. Euh, Penses-tu qu'il y aura une suite au Snyderverse Bah, le film le mérite. Le film nous le montre, le film le mérite. Euh, C'est sûr que ça ouvre beaucoup de portes. D'ailleurs, je vais vous poser une question simple. De toutes les portes que le film peut ouvrir, potentiellement, euh... potentiellement euh, le, 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 le Joker, potentiellement le Nightmare, potentiellement Martian Manhunter, potentiellement la lutte contre Deathstroke, potentiellement euh, le, le, la mort de Loïs, etc. Quel est. Euh... Quel est euh, comment te dire Quel est le. le, le... Le, 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 le point majeur que vous aimeriez voir. Euh, Quelle est, quel est la, le, la vraie chose que vous aimeriez voir s'il n'y en a qu'une seule que vous deviez retenir Quel est le, 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 le potentiel que vous aimeriez voir exploité J'arrive juste car je suis sur la vidéo de Grimes avec Captain Popcorn. T'as vu ça un peu Cette superbe vidéo avec J'ai eu de la chance parce que moi, justement, j'étais à Bordeaux. J'ai fait une vidéo avec Tokoy. Ça s'est vachement bien passé. Val tp oui. Kezako. Je lis ça, premier message, oui. Va l'STP. Bah, réponds à cette question. Quelle question Alors attends, je vais remonter. Un film Martian Manhunter Bah ben justement, c'est pour ça que je posais cette question-là. C'était, est-ce euh, que, par exemple, des gens veulent euh, potentiellement voir un film sur Martian Manhunter aussi hein C'est possible. Après, moi, ce qui m'emmerde, c'est que vraiment... Euh, Euh, moi, ce qui m'emmerde, c'est que l'un des trucs que j'attendais, moi, c'est, enfin, globalement, Deathstroke. Mais ce serait compliqué parce que le Nightmare, c'est globalement, moi, ce que j'aimerais voir le plus, et les conséquences qui ont amené au Nightmare. Mais, euh, mais pour ça, pour le rendre crédible, je vois pas comment on peut globalement, euh, je vois pas comment on peut globalement ne pas, euh, ne pas, ne pas parler du Batman de Ben Affleck. Parce que le, le Batman de Ben Affleck, en fait, il est censé amener ce qui va se passer par la suite. Ça, ce serait pas crédible, en fait, de faire, euh, par exemple, je sais pas, un prochain Justice League où tu vois globalement euh, bah, le Nightmare, ou je sais pas, un film dans ce style, mais où tu prends très peu de temps pour développer Deathstroke. Ou de, même sur un film de 4 heures, je pense que ça suffirait pas spécialement, quoi. Parce qu'il faudrait euh, Lex Luthor, Deathstroke, ceci, cela. Avant ça, en fait, pour moi, il faut quelque chose. Et le quelque chose, pour moi, c'était le Batman d'Affleck. Sinon, même en 4 heures de temps, tu pourras pas tout développer. Ça me paraît impossible d'arriver au Nightmare en seulement un film si tu pas quelque chose pour l'amorcer avant. C'est la mort d'une Loïs enceinte. C'est possible aussi, mais ça, pareil, ça tu peux le développer potentiellement dans le Nightmare, mais pour ça il faut que tu aies développé d'autres choses avant. On est d'accord qu'à la fin c'est une réalité alternative Ça peut être une. Bah, on ne sait pas exactement, ça peut être. Euh... Euh, ça peut être un... une réalité alternative. Oui, ça peut être une vision du futur, oui, ça peut être une prémonition, ça peut être une, une image qu'il se fait parce qu'il est torturé par ce qu'il a pu commettre aussi avant, ça peut être beaucoup de choses. Mais globalement, le nightmare, dans la mesure où il avait déjà fait le cauchemar et où Flash était arrivé, etc., euh, en disant euh, « c'est Loïs, la clé, machin », moi je pense que ça a plus une vision du futur. Je me demande si moi, Bruce Wayne, on n'en fait pas potentiellement quelqu'un qui peut avoir des visions euh, d'un futur possible, mais sans que ce soit une réalité alternative. Affleck a pas quitté la prod. Bah écoutez, moi il y a deux choses sur cette bonne terre hein, qui peuvent potentiellement euh, faire revenir Ben Affleck. C'est si Flash est un succès et que ça se passe bien. Oui, je prends un stylo parce que là je suis passé dans un mood intellectuel. Si Flash ça se passe bien euh, et si le Flashpoint etc et si tout ce qui va se passer autour de Flash peut, peut amener à plusieurs significations différentes, on pourrait même régler le problème du Nightmare etc en en faisant tout un multivers. Mais si Flash est un succès Affleck pourrait potentiellement dire pourquoi pas. Il y a même trois choses. Si Snyder, on laisse à Snyder l'opportunité de revenir par euh, la Warner, Ben Affleck peut dire pourquoi pas. Et le troisième, on reste, dans, on reste à Hollywood. Je vais vous laisser deviner. Il y a Zack Snyder, il y a Flash. Quel est le troisième gros point qui peut faire revenir Ben Affleck Parce qu'on n'est pas dupe. Ça reste Hollywood. Pour moi, en tout cas, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais il y a un troisième gros point fondamental. Mais je, je veux que vous. Euh... Voilà, et j'ai trois réponses. Les trois l'ont dit tout de suite hein. Money, le chèque, l'argent, et je rajouterai même l'oseille. Parce que j'aime l'oseille, on embrasse Trash Talk. Où est passé l'oseille Si t'as l'oseille, frère, il s'en bat les couilles. Si tu lui donnes vraiment de l'argent, il va voir que le Snyder Cut a tout réhabilité. Donc, déjà, il va être content. F si Flash marche, il va être content. Il n'y aurait pas de. Pourquoi tu dirais non Tu peux potentiellement. Si on lui laisse. Alors forcément, si on lui laisse aussi l'opportunité. Les meufs. Alors, on n'a pas parlé de Kanaki, on a parlé de Ben Affleck. Ouais, les deux salles de En quoi que tu donnerais de la thune à Kanaki, je pense qu'il apprendrait aussi. Mais... mais globalement, tu vois, tu te dis. Euh... Tu te dis que ça reste. ça Non, lui, ce serait pas la passion avec deux dollars. Hein, mais ce serait je pense qu'il le ferait avec grand plaisir. Et c'est pour ça que je mets l'oseille le... dans la troisième partie. Mais c'est sûr que si, si Tallinn le chéquier, euh, je vois pas pourquoi il dirait non, si en plus Flash est un succès, et qu'on laisse Zack Snyder revenir, et que derrière il voit que la Snyder Cut euh, a bien marché et que ça l'a réhabilité. Ben Affleck, c'est quelqu'un, je pense, qui est pas con, c'est un excellent réalisateur. Moi, je vais vous dire, hein, le Batman, euh, le, le deux Batman de, de, de Affleck, je l'attendais plus pour euh, la réelle de d'Affleck de, de que pour le Batfleck en lui-même. D'ailleurs, globalement, c'est un bon acteur, mais c'est un très bon Batfleck, ça c'est une évidence. Mais Ben Affleck, pour moi, est meilleur réel qu'acteur. Hein. Je veux dire, acteur, globalement, bon, pff, à part ces films-là et deux, trois trucs comme ça, genre The Town, des, des trucs où il, bah, il était. Je crois que c'est lui qui l'a fait aussi, euh, qui était plutôt bon, euh, globalement. Bon, en acteur, il n'est pas, euh, pas extrême. Hein. C'est pas, pas, pas un Jared Leto, c'est pas, euh, pas un Christian Bale. Même si Christian Bale a fait des choses bien meilleures en tant qu'acteur que, que Batman, hein, on ne retiendra pas l'acting de Christian Bale dans les Batman de Nolan. Euh. Quelle passion, aucun des acteurs n'est un inconditionnel. Non, mais je pense que la passion de, de tourner avec Snyder, j'entends, la passion d'avoir de, 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 rejoint cette aventure-là. Après, euh... ouais, j'allais le dire la même chose, moi, mais je crois qu'Henri Cavill, il aime bien. Hein. Il me semble qu'Henri Cavill, le DCU, il aime bien. Je sais qu'Henri Cavill, c'est un grand fan de The Witcher, mais il me semble que de, Henri Cavill, il aime plutôt bien le DCU aussi. Hein. Et ben bah exactement, Johan. C'est pour ça que je dis que Ben Affleck, en, acte... en tant qu'acteur, des fois, il fait des navets. Il a aussi fait Daredevil. Et alors là, pour le coup... Désolé de vous le dire, hein, mais Daredevil... La version longue n'est pas trop mal quand tu règles les problèmes de montage. Par contre, ce qu'il fout en l'air tout Daredevil, c'est le jeu de Ben Affleck. Putain qu'il est mauvais Oh, oh la vache Et Alors, Daredevil, vraiment... Déjà, tu prends un Michael Kardonkine. Bon, il fait le boulot. T'as un Colin Farrell en roule. Moi, j'aime bien. Hein. Colin Farrell qui fait le tireur, j'adore. Parce que je trouve qu'il est tellement borderline. Tu sens qu'il n'en a rien à branler. Euh... Mais il est, il est bon dedans mais alors, Jennifer Garner, mon dieu, quel enfer! Et puis putain, Ben Affleck en Daredevil. Oh là là, la platitude. L'enfer sur terre, quoi. Mais vraiment, hein, c'était consternant. Henri hein. Cavill, il est chaud pour revenir. Ouais, Henri Cavill, mais c'est un gars qui aime bien le, 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 le style. Hein. C'est un gars qui aime bien. Non, mais il a rien à sauver dans ce film. Dans Daredevil. Oh, il y a quand même une proposition dans Daredevil. C'est quand même assez violent quand tu regardes la, la version longue. Il euh, y a un montage qui est quand même un peu plus dynamique. La BO est plutôt bonne. Puis t'as deux trois acteurs qui font le taf, Enfin, je veux dire globalement, il y a quelques scènes qui sont intéressantes. D'Ardeville, c'est un film qui, qui, qui a été vite catalogué de, de vraiment mauvais, mauvais, mauvais. Alors que quand tu regardes la version longue, certes, c'est pas un, un transcendant. Mais je veux dire, putain. Enfin, je préfère regarder ça, Ghost Rider. hein, Ouais, Electra, le film Electra, c'est une des pires un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Enfin, je préfère. Je, je vous le dis, hein. Honnêtement, hein, je préfère voir Daredevil que la moitié du MCU. Hein. Ah, vous me mettez Thor 1, Thor 2, euh, euh, Civil War, euh, euh, Ant-Man 2, euh, tous ces trucs-là, la vie de Spider-Man Homecoming, putain, je préfère, moi, voir revoir hein, Daredevil. Hein. Parce que globalement, au moins, Daredevil, euh, je sais pas, il y a une espèce de proposition esthétique, euh, alors que les autres, il y a que dalle, quoi. Ouais, il y a Catwoman qui est pire aussi, hein, ouais, mais... Mais, euh, mais, mais je préfère, parce que bon, dans, ouais, dans le MCU, il y a des tas de choses qui sont vraiment, vraiment moins, pas terribles. Hein. Daredevil, par, par contre, il faut voir la version longue, parce que la version longue, c'est vrai qu'elle a un peu éclaté. J'ai jamais vu Electra, vous me pardonnez. Ah bah mais on te, même, on te donne de l'argent d'ailleurs. C'est très bien. C'est très bien. Daredevil sur Netflix. Ah non, Daredevil sur Netflix, c'est génial. Ah non, Daredevil sur Netflix, c'est excellent. Eh les gars, par contre, je suis pas en train de dire que le film Daredevil, il est bon, hein. Je suis en train de dire que pour moi, honnêtement, euh, il est meilleur que... Euh que, ben, que le, 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 les... beaucoup de choses qu'on peut voir qui sont très très mauvaises maintenant. Hein. Je préfère revoir Daredevil à Captain Marvel. Hein. Oh, mon Dieu Captain Marvel, je me suis fait chier comme un rat mort. Je préfère revoir Daredevil. Au moins je sais que c'est divertissant. Parce que là je suis que dans du divertissement. Hein. Là il n'y a pas de euh, truc euh, transcendant. Hein. Donc c'est moins pire. Ouais, voilà, ça reste pas non plus de la grande, de la grande littérature. Affleck avait de beaux implants capillaires dans Daredevil. Le gros souci de Daredevil, pour moi, ça a été le montage cuté. Et puis, euh, et puis euh, surtout, euh, ouais, Ben Affleck est très, 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 très mauvais. puis, le film est trop borderline, quoi. En gros, si Daredevil, c'est 4 sur 20, Captain Marvel, c'est 2 sur 20. Pour moi, euh, Captain Marvel, ça vaut 6 sur 20. Et Daredevil, version longue, ça vaut 10. La moyenne. Ouais, oh, allez, non, même pas 8. 8. Donc, tu vois, c'est voilà, c'est... Ouais, on reste sur des trucs pas transcendants. Hein. Euh, mais, euh, mais ça reste, euh, ça reste globalement au-dessus de. Enfin, pff, ouais, Spider-Man Homecoming pour moi ça vaut 6. Spider-Man Homecoming c'est vraiment un film où j'ai rien vu dedans. Quoi. En termes de proposition filmique, en termes d'acting, t'as quand même, euh, as quand même euh, des grands noms qui jouent dedans. là le, le, le... Mais, mais, mais euh, non, c'est mauvais. Quoi. 10 pour le casting. Alors, allez, 9, on fait une moyenne. Mais globalement, 9 pour la version longue, mais ça reste pas terrible. Hein. Un avis sur Aquaman Aquaman, c'est bien. Mais Aquaman, on a laissé l'opportunité de s'exprimer à James Wan, et on reconnaît de la patte James Wan, donc c'est euh, plutôt pas mal. En fait, moi, je vais vous dire, pourquoi je préfère un, un film d'Ardeville... Euh... Pourquoi je préfère un film d'Ardeville à beaucoup de films du MCU, c'est parce que je sens quand même dans D'Ardeville qu'il y avait une volonté de faire quelque chose. Et moi, en fait, c'est tout ce que j'attends dans le cinéma. C'est pour ça que j'ai adoré la Snyder Cut. Mais alors là, parce que pour le coup, c'est très bon. Mais la Snyder Cut, tu vois la volonté de faire quelque chose. Tu vois les plans filmiques, tu vois l'esthétique, tu vois qu'il y a une, une profondeur derrière. Et ça, pour moi, c'est intéressant. Dans le MCU, je suis désolé. Moi, quand je vais, voir, quand je vais au cinéma, c'est aussi pour voir un film, pour m'intéresser au style filmique de la chose. Je ne pense pas que divertissement. Je ne vais pas voir Les Gardiens de la Galaxie que pour être diverti. J'y vais pour voir du James Gunn aussi. Donc forcément, moi, d'Ardeville, il y avait quelques... Allez, sur 2h30, il y a peut-être 25 minutes où tu sens qu'il y a quelques situations qui peuvent potentiellement être intéressantes. Je suis désolé, mais globalement, quand je regarde Homecoming ou Captain Marvel ou Ant-Man 2 ou Iron Man 3 ou tous ces trucs comme ça, Captain America Civil War ou L'Art d'Ultron ou Avenger, je vois rien. Filmiquement, je ne vois rien, je vois pas de proposition. Je ne vois pas de proposition filmique, je ne vois pas un mec qui me dit Tiens, regarde, là, tu as une esthétique qui te fait penser à quelque chose. Je ne vois pas un mec qui veut m'apprendre des trucs. Je ne vois pas euh, un plan séquence extrême où tu te dis Tiens, il y a de la mise en scène. Je ne vois pas un jeu d'acteur mirobolant, tu vois. Non, je vois des films. Je vois du divertissement, Marvel. Et alors que quand je regarde la Justice League, je vois euh, un mec qui me dit. Regarde ce côté contemplatif, regarde ce côté pictural, regarde ce film d'auteur blockbuster que je t'offre, regarde la profondeur des personnages que je te laisse, euh, regarde le, la, 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 la mythologie qui va en découler, regarde l'idéologie que je donne à tous ces, ces, euh, ces, ces personnages-là, et ça, pour le coup, euh, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de plan séquence dans Avengers Je ne sais pas le souvenir, bon c'était peut-être un mauvais exemple s'il y en a un, mais tu vois très bien ce que je veux dire. C'est globalement... Euh, il y a des plans séquences qui sont marquants. Il y a des plans séquences dans des films qui te marquent. Il n'y en a pas un qui m'a marqué particulièrement dans un Avenger par exemple. Il n'y a pas euh, il y a pas un euh, quand, il y a pas un état d'esprit, il n'y a pas une chose qui m'a fait me dire dans certains films voilà euh, qui m'ont euh, qui, qui, qui m'ont marqué. Il y a peut-être des plans séquences mais il n'y a pas cette chose, tu vois, qui m'a fait prendre conscience que j'étais vraiment devant devant une œuvre waouh, wow, tu vois. Il y en a peut-être un... Oui, il y en a un, non mais voilà, après bon, c'était peut-être un mauvais exemple, mais bon, je sais qu'il n'y a pas forcément de plan séquence dans nombre des films que je vous ai cités. Puis le plan séquence, on parle du plan séquence, c'est bien le plan séquence, mais il n'y a pas que les plans séquences dans la vie. Tu peux avoir un montage dynamique, tu peux avoir un montage. Regardez par exemple Ant-Man. Moi j'aime bien Ant-Man 1. Globalement, c'est un film que j'apprécie, parce que voilà, j'aime bien le... J'aime beaucoup Paul Rudd, je trouve qu'il livre une prestation intéressante, le scénario tient sur un timbre, et bah c'est vrai, hein je veux dire, ce que fait Peyton Reed dans... Euh voilà c'est pas artistique moi j'aime bien l'art donc euh, ce, que, ce que fait Python Reed dans ant c'est du Edgar Wright Wish faut le dire j'aime bien Python Reed dans ce qu'il a fait sur le Mandalorian par exemple il apporte vraiment une, be une belle nostalgie un hein, côté très émouvant à la situation mais globalement bah, c'est pas tu vois euh, c'est pas extraordinaire quoi c'est pas extraordinaire c'est juste du du sous Edgar Wright parce que Edgar Wright devait bosser sur Ant-Man et qu'au final il a fini par aller sur. Il a dit stop et il a dit au revoir, merci parce que bah, ça n'allait pas, pas. Ils ont pris Python Reed qui a fait du sous Edgar Wright. Les plans saccadés très 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 rapides quand Michael Peña part, c'est les mêmes que dans la trilogie Cornetto. Bon bah oui. Eh ah, bah oui. Parce que, les... parce que le MCU ils peuvent. Parce que le MCU ils peuvent, ils ont le temps, ils s'en foutent, ils sortent deux ou trois films par an, machin et tout. Euh, bon bah. C'est comme ça. Pas d'accord avec toi sur Avengers. Le pari a été réussi. La preuve est de voir où est le MCU aujourd'hui. Mais je suis pas. En... Alors, c'est deux choses différentes. Je suis pas en train de dire euh, que, euh, que que c'est pas une réussite. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs de ça. Pour moi, le MCU c'est l'une des plus grandes réussites du cinéma parce qu'en 10 ans, ils ont réussi à créer un univers qui est extraordinaire en faisant en sorte que tout soit raccord, en ayant toujours ou presque les mêmes acteurs, à Terrence Howard près et un ou deux autres, euh, Hulk notamment. Euh, ils ont réussi à développer quelque chose et vraiment tout tient debout. C'est ultra structuré, c'est carré. Tu vois où ils ont voulu aller. Ils ont une vraie vision du futur. Donc, oui, là, ouais, forcément, c'est une réussite. Et quand tu vois la réussite d'Avenger, ça a été une prouesse d'avoir euh, réuni tout ce casting là, etc. Euh, et d'avoir réussi à retenir euh, tous ces protagonistes. Et oui, c'est vrai que c'est une prouesse commerciale et d'univers. Mais maintenant, dans le MCU. Il n'y a pas non plus Avengers. Eh, hey, filmiquement, je te parle juste du film. C'est pas... Putain... C'est pas fou quoi. Enfin, je veux dire, ouais, ça, c'est du divertissement. C'est du divertissement. Mais, mais ça n'empêche rien, à la Grande Prouesse, j'en ai fait une vidéo, j'avais fait le comparatif entre les deux. Et il n'empêche que, voilà, ça reste une vraie prouesse que n'a absolument pas d'ici. D'ici, ils se sont emmêlés les pinceaux. Warner a voulu aller trop vite, a bridé des trucs. A vu que Marvel ça marchait, ils ont voulu calquer Marvel, truc machin. Euh, donc, ouais, forcément, là, oui. D'ici, ils sont complètement en tort. Warner, ils ont merdé de ouf et ça a été catastrophique. Que Justice League sort le 18 mars 2021, mais c'est impensable. Impensable. Les mecs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, putain, c'était censé sortir en 2017. Et ça vient pas de la mort, malheureusement, de la fille à Zack Snyder. Les problèmes viennent de, 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 depuis BVS. Les problèmes deviennent de depuis BVS et, et depuis, euh, depuis les, les, tous ces trucs là où tu vois très bien que ça part en couille parce que parce que parce que Warner ils aiment pas Zack Snyder et qui se sont dit non c'est pas trop ce qu'on veut. C'est bah ouais mais bon en même temps tu veux proposer un truc intelligent tu te fais engueuler. Sachant qu'il parlait déjà de la suite avant même la sortie du film de... Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Mais mais, mais, mais Zack Snyder, il a cette vision-là depuis des années. Il c'est pas un rigolo, hein. Il a cette vision-là depuis tellement longtemps. Le point culminant de créer un univers et de réunir tout le monde est réussi, mais qualitativement le MCU, voilà, exactement. Je suis entièrement d'accord. Parce que qualitativement le MCU, alors c'est pareil. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent, de toute façon, d'ici Marvel, c'est pas du cinéma. Non, même si c'est que du divertissement, ça reste une forme du cinéma. Puisque pour moi, tout est cinéma. Vous savez que j'en avais fait un live, un se faire dévorer... Enfin, euh, pas se faire dévorer, ça c'était une vidéo, mais... Un live sur les animaux tueurs. Bah, même ça, c'est du cinéma. Je veux dire, même Sharknado, c'est du cinéma. C'est une sorte de cinéma, mais c'est du cinéma. Tout est cinéma. Maintenant... Euh... Bah c'est inégal, oui et puis, dire que, par exemple, Marvel n'est pas du cinéma, bah, je trouve que c'est vachement dur quand on voit ce qu'a fait James Gunn. Alors, vous allez me dire, ouais, je suce les Gardiens de la Galaxie. Bon, bah euh, oui, bah, oui j'ai fait un documentaire sur Chris Pratt, donc vous dites bien qu'elle est goulue, hein, la fellation. Mais quand tu regardes artistiquement ce qu'il a réussi à faire, James Gunn, en partant de que dalle, parce que, euh, parce que, parce que faut, faut, faut... les Gardiens de la Galaxie, tu pars de que dalle. Hein. C'est-à-dire que même dans l'univers des comics, les Gardiens, c'est pas les plus connus, hein et, euh, et arrives sur un bail où tu les fais connaître, où tu leur fais gagner des millions, euh, et puis bah tu fais un vrai bon film, avec un vrai potentiel, une vraie BO, faut en parler aussi, parce que la musique c'est important, et là le mec il te remet au goût du jour des trucs de fou, euh, visuellement c'est ultra créatif, il y a dans les Gardiens de la Galaxie, il y a un peu de cinquième élément, il y a un qui était déjà beaucoup du heavy metal, métal hurlant, il euh, y a déjà beaucoup de choses comme ça qui étaient assez profondes, hein, sur l'heroic fantasy, il y a beaucoup de choses très 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 sympas, Très sympa. Donc, euh, donc oui, dire que le MCU c'est pas du cinéma, c'est omettre les Gardiens de la Galaxie. C'est omettre Thor Ragnarok. Je trouve, puisque Thor Ragnarok de Taika Waititi est plutôt plaisant. C'est omettre même Avengers Infinity War. Où là pour le coup, là pour le coup, je trouve que Avengers Infinity War fait ce que moi je m'embranle dans Avengers 1. Avenger 1, Avenger 2, je m'en fous. Mais Avenger Infinity War, t'as quand même beaucoup plus d'options créatives. Il y a une prise de risque, il y a du. Il euh... y, y a quelque chose. Et là, pour moi, c'est plus intéressant déjà. Pour moi, c'est pas du cinéma au sens artistique du mot. Black Panther aussi, ouais. Euh, Black Panther qui était très sympa. Mais il est normal, ils ont laissé parler Ryan Coogler qui est un bon réel. Euh. Bah... Ça dépend, euh, Johan. Pour, pour moi, c'est pas du cinéma au sens artistique, je suis d'accord, avec 80% des films. Mais pour moi, Les Gardiens de la Galaxie, c'est artistique. Je vais laisser poser la question de le chat. Euh, dans le chat, est-ce que vous trouvez que Les Gardiens de la Galaxie est un film qu'on peut juger d'un film créatif et artistique Pour moi, ça rentre dans l'ordre des blockbusters, entre guillemets, d'auteur, parce que tu retrouves la patte de James Gunn et tu sens qu'il s'est fait chier. Pour moi, celui-là, il est artistique. Au moins, au moins, Les Gardiens 1 et 2, le 2 qui est très sous-coté, parce que le rapport au père et toute la mythologie paternelle qu'il y a derrière est très intéressante spirituellement et euh, psychologiquement. Parce qu'il y a quand même une vraie profondeur parentale derrière. Film artistique, oui, mais pas créatif. Dans le MCU, c'est créatif. C'est mon MCU préféré. Ah bon, bah, sans problème. Les, les, le, les, les gardiens 1 et 2, euh, c'est euh, euh, au-dessus de, de, de beaucoup de choses. Hein. Oui, les gardiens avec la musique, l'ambiance, les personnages, on sent la pâte artistique. Oh, oui, mais complètement. James Gunn, il a fait des films comme il le voulait. Non, et puis James Gunn, c'est un mec qui revient de partout. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu Horribilis. Jamais osé le regarder, moi, je crois. Euh, Horribilis, Enfin, pas en entier. J'avais vu des extraits, mais j'ai jamais osé le regarder en entier parce que c'est trop hard. Mais putain, Horribilis, euh, les gars, waouh, 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 wow, c'est chaud d'art. Hein. Euh, derrière, ils t'enchaînent les gardiens 1 et 2. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Après il a produit un film qui était vachement sympa, c'était euh, le Pas du mal, euh, Le comment ça s'appelait ça euh, Le fils du mal, là. Enfin, c'était Superman mais qui pète un câble et qui est juste un enculé. Euh, je vais vous dire, hein, parce que James Gunn, bon, j'ai quasiment, euh, j'ai maté beaucoup. Hein. Euh... Il a fait super aussi, ouais, My Movie Project, bon, c'est un mec qui a fait beaucoup de choses, comment ça s'appelait Il n'avait pas scénarisé, il avait produit. Brightburn, l'enfant du mal, hein. c'était l'enfant du mal, ça pareil, c'était marrant, c'était pas mal, parce que ça pour le coup ça avait des couilles, hein. jusqu'au bout ça avait des couilles, hein. quelle enflure le, le, le gamin là, mais c'est un mec qui sait à peu près tout faire James Gunn, dans la prod, dans les trucs, alors il travaille beaucoup avec son frère aussi, euh, qui, qui est pas mal non plus, hein. parce que je crois que le... Euh, le... C'est mad gun qui a produit Brightburn avec lui euh, Tu ressens un peu le truc Il euh, y a un caméo de Michael Rooker euh, La bande-son encore une fois fait très euh, pas gardien mais Et pourtant ça a fait 166 000 entrées La vache j'avais pas vu que ça avait été un flop à ce point là Combien de budget pour Brightburn Je vais pas spécifier C'est dommage Parce qu'il a réuni 32 millions Il y a eu que 166 000 entrées pour Brightburn Et j'ai fait 50 000 vues dessus quand même J'étais le seul à en parler Mais 50 000 vues je pensais que du coup le film avait marché et il est resté que deux semaines Ah ouais, il est resté deux semaines seulement. Là ah ouais, ça a dû être un beat de ouf. Putain, il est resté deux semaines à l'affiche, quoi. Oh l'enfer Ah ouais, ils l'ont ouais, tué. Ils en avaient rien à branler, quoi. Dommage, il avait du potentiel, ce film-là. Si je chie dans un burger et que j'y ajoute un délicieux arôme et que c'est un burger populaire, selon toi, ça signifie que c'est un burger plus qualitatif que les autres Ça, on dit, c'est toujours le même. Euh... Euh... Ouais, je suis assez d'accord avec le deuxième. Quelque chose de populaire et quelque chose de qualitatif. Ton argument, ouais. je suis assez d'accord avec ça. Alors le premier, je comprenais pas trop. Mais c'est toujours la différence qu'on fait entre le Fouquet's et le McDo. Hein. C'est pas parce qu'on va plus manger au McDo qu'au Fouquet's que forcément McDo c'est mieux que le Fouquet's. C'est toujours la même chose. MCU ça marche, ça cartonne. Mais je suis désolé, hein, le MCU, euh, ça a beau. Enfin, je veux dire, Avengers Endgame, c'est l'un des plus gros avant que ce soit rattrapé, parce qu'Avengers l'a redoublé hein, avec une ressortie ciné. Mais euh, Avengers, c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma, ou presque. Euh, bah, globalement, euh, ça n'en fait pas le meilleur film de tous les temps, loin de là. Hein. Je veux dire, Endgame, il est, il est, il est, il est ok. Hein. Endgame, il est ok tiers. Hein. Endgame, pour moi, il est bon dans la scène où on a le retour des Gardiens de la Galaxie, et puis sur le final, parce que c'est quand même assez fou. Mais sinon, globalement, euh, c'est pas un film extraordinaire, hein, Endgame. Hein. C'est même une déception quand tu vois Infinity War. Le fouquette! Le fouquette! <laughs> je vais manger au fouquette! Ouais, moi je prononce ça, le fouquette! Fouquet, Merci beaucoup, Dachad, pour le nom. Que penses-tu de la ré. Ah, dit, résurrection, comme quoi tu vois, c'est un lapsus révélateur. De la restructuration du Joker de Jared Leto, sans bling bling et tatouage plus crédible. Alors j'en avais parlé, mais du coup, tu devais pas être là au moment où je l'ai fait, parce qu'on a commencé là-dessus assez rapidement. Très bon. Pour moi, jo... bah, je le redis pour tous ceux qui étaient pas forcément là, parce que c'était en début de live, mais j'ai trouvé le Joker très bon. Euh, je trouve que c'est une suite logique par rapport au. Il a un côté dans le costume, dans le design très épuré, ça se suinte. On sent que. Il est en plein raccord avec l'univers Nightmare qu'il a. Euh, je trouve les dialogues qu'il a avec Batman ahurissants d'émotions de, 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 et, de... et vraiment de. de, de... C'est des dialogues qui font mal, qui sont très durs, quoi. Il y a ce côté, encore une fois. Euh... Moi, je le trouvais déjà crédible, en fait. La... Il fallait surtout aimer, en fait. Fallait surtout aimer la, la première performance. Hein. Si t'aimes la première performance derrière, bon, ça va un petit peu mieux. Si t'aimes pas la performance, forcément, c'est plus compliqué. Mais euh, je parle de celle de Suicide Squad. Mais globalement, moi, j'avais apprécié. Et, euh, et bah, c'est dans la suite logique des choses. Il y a des, des, des... Tu regarderas la Rediff. Hein, que, je sais pas, on avait passé 25 minutes, mais il y a euh, le, le, le discours qu'il a avec Batman où il parle de Harley Quinn. On sent vraiment que ça le prend au trip. Euh, c'est bon, le PSG a gagné. Je suis sûr. Parce que j'avais vu les 4-2, là j'étais plus très serein, je disais rien parce que globalement euh, je serrais les fesses. Mais euh... il mais euh... mais y, y, y a une profondeur, il y a beaucoup plus de profondeur. Et c'est une profondeur qui est là parce que pour moi le travail était intéressant et de toute façon il n'y a pas de mystère. Zack Snyder avait énormément apprécié le, 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 le Joker de Jared Leto dans, euh... dans, 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 dans Suicide Squad, donc qu'il le ramène, ça ne m'étonne pas c'est pour moi même une preuve de goût hein, parce que je l'avais trouvé vraiment bon il y a beaucoup de gens qui vont critiquer le rire euh, moi j'aimais bien le son rire déjà de base dans Suicide Squad qui était un rire qui était quand même sympa ce qui est marrant c'est qu'à l'époque de Suicide Squad euh, il y a beaucoup de gens qui avaient dit que le rire était bon et que le reste était mauvais <laughs> maintenant c'est l'inverse mais euh... Mais, euh, mais, mais pour moi ça, ça faisait le taf Et le fait que le rire soit Ça ça suppure un peu plus C'est poussiéreux T'as vraiment ce côté très poussiéreux là-dedans Et moi j'aime bien J'aime bien parce que je me dis Bah ouais euh, C'est quand même vachement euh, éloigné de ce qu'il y avait avant Mais vu ce que le mec vit Ah tu sens que les gars ils sont sur la fin quoi Bah ça me paraît logique en fait C'est juste le gars il est il est il est, il est il est il est anéanti quoi Enfin ils sont tous Ils le sont tous Toute, toute cette bande de, 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 de joyeux lions. quoi son rire est vachement éclaté du surjeu. Bah, je trouve pas, moi. Je trouve qu'il est... Qu est bien. Je trouve... je trouve ça sympa, moi. Le rire, du... Le rire de... 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 de Jared Leto. Je trouve plutôt bon. Mais, euh... Mais je, sais pas, je... 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 je sais pas. Je sais pas pourquoi les gens font vraiment une fixette sur, sur lui. Euh... Alors que euh... pour moi, c'est quand même un acteur qui a, des... qui a un vrai talent. Et... et puis ça se remarque, ça se voit. Euh, T'as vu les gens qui ont craché sur le film à cause de Humber Heard Ah, ben moi je peux pas l'enculer, elle hein euh, Je peux, peux pas la blairer, je veux dire, je peux pas l'enculer. Pardon, je. Ouais, il est tard, il est 22h57 aussi. Je J'allais dire, je vais. Non, mais c'est À la base, j'ai dit je peux pas la blairer, puis ensuite je voulais réagir, parce qu'en ce moment, je dis beaucoup, Mr. V, je vais le démarrer cet enculé Mais donc, forcément, il y a eu l'association d'idées qui a pas forcément été particulièrement jouissive. Mais, euh, mais vous avez compris l'idée euh, non, Humber Heard, moi, euh, par rapport à tout le cas Johnny Depp, etc., c'est mort, hein, elle, elle peut aller se faire foutre. Mais, euh, mais, euh, mais non, 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 bah oui, c oui forcément, euh, forcément, c'est compliqué. Après, bon, dire que Justice League, euh, boycotter Justice League juste pour Humber Heard, déjà, ce serait donner trop d'importance à cette nana-là qui devrait juste simplement euh, sombrer dans l'oubli. Et euh, bah, mériter de prendre ce qu'elle mérite d'avoir, hein, parce que le justice for Johnny Depp, moi je suis un des premiers à le souligner. Hein, les fautes sont partagées des deux côtés, hein, je pense, comme dans chaque relation amoureuse, mais bon, quand même, euh, bon, on a eu des preuves à l'appui. Maintenant, euh, maintenant euh, ouais, 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 oui, bah, pour moi, elle aurait dû être boycottée. Enfin, pour des trucs comme ça, ça mériterait des. Elle aurait mérité de ne pas être dedans. Et d'Aquaman de, 2, tu l'envoies se faire foutre. C'est mon avis, mais, euh, mais je, je pense que je pense c'est pas pour autant qu'il faut boycotter Justice League sur sur, sur juste parce qu'elle est là 10 minutes quoi. Il y a 4 heures de film. Pour... Ouais voilà il y a, il y a, il y a 4 quatre heures. De... Ouais c'est vrai il y a 4 heures de film. Je suis pas sûr que ce soit le truc tenir de 4 heures de film. Ember Heard. Bon sur fout d'Humber Heard. Je m'en ai rien à foutre d'Humber Heard. Je peux pas la blairer Ember Heard. -hum, J'en ai rien à foutre. C'est sûr euh, voilà oui bah mais, mais, mais c'est sûr que c'est c'est con parce que quand tu vois Johnny Depp maintenant qui se fait sortir d'absolument partout et qui se fait virer de partout et, euh, et, euh, et, qui, euh, et, et qui est le, le, le malandrin, le malotru, les, les, les trucs comme ça, vraiment, il faut absolument le virer de partout. Ouais, bah je trouve qu'il s'en prend plein la gueule pour des choses qui, à mon avis, sont très obscures et qui. Justice for the Johnny Depp, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Moi, je suis très déçu que, 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 que les, les firmes, les majors lui fassent plus confiance parce que c'est un mec dont on se prive alors que. La grosse victime, à mon avis, et le mec qui. qui... On verra, hein. peut-être que quand la justice parlera, j'ai tort, mais la grosse victime, c'est lui, et flinguer sa carrière pour des choses, à mon avis, ou dont il est victime, c'est quand même terrible. Amber Heard, Flash, apparemment, ça ne dérange pas Warner. Ben Ezra Miller, apparemment, il y a des gros soucis avec lui. Alors là, je sais pas, Mediavor, tu vas peut-être pouvoir me dire, mais je savais qu'Ezra Miller. Eh ben, il y, euh, y a quand même des trucs très compliqués. Bah les couilles des histoires. Alors je suis d'accord en soi, mais le, mais le kit, On s'en fout des histoires de cul des stars. Mais quand les histoires de cul des stars sont beaucoup plus graves que ça et malheureusement empêchent les stars de faire ce qu'elles aiment, ça c'est plus chiant pour nous spectateurs. Forcément. Bon bah ouais, Mads Mikkelsen qui va jouer dans les animaux fantastiques. Moi j'aime bien Mads Mikkelsen, mais j'en ai rien à branler, quoi. Il a étranglé une femme. Ouais, oui, bon bah. Pff, on parlait tout à l'heure. Bah tiens, Mediavor, on parlait tout à l'heure. Toi, je pense que t'as regardé Smallville, d'Alison Mack. Bon bah. Qui voilà par un joli jour de mai s'est dit qu'est-ce que je peux faire Je me fais chier, j'ai pas de tournage. Oh bah écoutez quelle heure il est, bah, je ferais bien un trafic d'esclaves sexuels. Ah oui c'est sûr que forcément ça vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de de, de, de euh, comment dire de, de la de la, de la situation c'est un peu compliqué quoi. C'est euh... ah ouais là c'était une tarée de sec de ouf. Bon bah, c'est sûr que t'as passé des meilleures des meilleures journées au mois de mai je pense. Mais euh, oui, Ezra Miller, euh... Ezra Miller, c'est. Bah oui, moi j'étais pas. Enfin, je savais qu'il y avait des troubles vis-à-vis -vis de lui, mais je ne savais pas quoi. Bon, bah oui, c'est qu'étrangler ses fans, c'est pas la meilleure des options. Mais euh... Mais bon, c'est. Voilà, je pense que Hollywood. Euh... C'est un... c'est... Hollywood, euh... quand même un drôle de milieu. Hein. C'est quand même un drôle de milieu. Je déteste l'actrice, mais sérieusement, on regarde Mera dans les comics, c'est clairement, on comprend pourquoi Snyder l'avait choisi à l'époque, vu la ressemblance. Ah oui, non, mais ça, après. Euh... Ça, oui, forcément, forcément. Mais bon, c'est encore quelque chose de différent. Pour en revenir à Tom Holland, il a un vrai potentiel. J'ai vu The Impossible avant le live. Le petit Tom, faut juste bien le diriger. J'ai hâte de voir son film avec des Ridley. Ah, euh... oui, 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 Tom Holland, Tom Holland, c'est un mec qui pourrait faire une belle carrière. Il est jeune encore. Il hein. faut lui laisser le temps de s'exprimer. Hein. C'est euh... Il y a, y, a, y a des acteurs, on ne misait pas fort, bah Shia LaBeouf, hein, en, en tête d'affiche, Shia LaBeouf, quand il fait Transformer, je pense pas qu'à un moment donné, quelqu'un va viser sur lui, pour ensuite être dans Infomaniac, Pinot Butter Falcon et Odie Boy, et pourtant, tu vois, bon, bah, le mec, il est monstrueux, donc euh, oui, oui, je pense que c'est un mec qui peut, s'il arrive un peu plus dans de l'intimiste et dans d'autres choses, et s'il est moins couvert par Marvel, etc., il peut, hein. Sans rentrer dans les détails, euh, GD n'est pas blacklist que pour les coups et blessures, beaucoup pour son alcoolisme sur les tournages, c'est aussi un prétexte, certes, certes, mais à quoi c'est dû l'alcoolisme on, sa on saura jamais, on n'est pas dans leur tête, et j'ai pas envie de parler de ça parce que globalement, bah écoute, euh, ça m'appartient pas, tu vois, je veux dire, euh, c'est pas, pas des trucs que moi je peux euh, que, que moi je peux dire, mais euh, mais mais mais, euh, mais 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 bon, il y a peut-être une situation de cause à effet en tout cas. Écoutez, c'était un fort bon live. On a, été, euh, on a fait un petit pic à 500, donc c'est pas mal, c'est que ça vous a plu. Ma vidéo est toujours présente. Hein, si vous voulez la voir, si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez la revoir, parce que vous vous êtes dit, putain, mais quel étalon. Enfin bon, ça c'est quand même le, la dernière option, je pense, qui n'arrivera jamais. Mais, euh, mais je pense en avoir pas mal parlé. On a fait deux heures sur la Justice League, j'ai pas grand chose à rajouter. Parler de cyborg, parler des personnages, parler de plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Ouais, j'ai entendu vos débats aussi sur des choses négatives. Euh... Non, je pense que c'était cool. Euh, Est-ce que ça vous a plu Est-ce que ce live Snyder Cut vous a plu Je ne sais pas exactement quel live je ferai euh, la semaine prochaine euh, On en parlera, euh, je ferai... De toute façon on commence normalement Uncharted 3 demain hein, euh, sur, sur Twitch Donc je balancerai euh, humblement mon, 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 mon planning pour 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 la semaine prochaine de live Martian Manhunter on en a parlé aussi ouais non oui globalement on a été on a été on a été bon on a été bon ce soir Monsieur on a été bon ah, oui, oui oui ça c'est beau on a été bon euh... donc euh, donc voilà on va essayer de, on va essayer de se quitter là-dessus rendez-vous demain pour une vidéo Walking Dead on se retrouve pour un épisode bien chiant hein, l'épisode avec Princess si j'arrive à passer, faire 10 minutes sur cet épisode c'est euh, c'est fort ta meilleure scène du film le Nightmare ah, si, voilà, si je, devais, euh, si je devais vous donner une scène que j'ai adorée dans le film, ça reste la scène du Nightmare. Euh, demain, replay du live euh, Oui, il y a des chances, ouais, parce que je, je vous dis, demain, à mon avis, avec la vidéo que j'ai à faire sur Walking Dead, je vais avoir pas mal de temps libre parce que ça ne devrait pas me prendre beaucoup de temps puisqu'il n'y a rien à dire. Mais vraiment, il hein, n'y a rien à dire sur cet épisode, donc euh, c'est donc chaud. Où est-ce que tu l'as vu, The Walking Dead Je l'ai vu chez le Beau Grimes. Euh, il l'avait téléchargé, je l'ai vu chez. Euh, je l'ai vu, vu, chez Grimes. Euh, donc, donc, vidéo demain quand même. Ah, et puis alors je sais pas si Skavak c'est encore là, mais dimanche prochain, ce sera sûrement dimanche parce qu'il va me falloir du temps. Nouvelle interlude, l'interlude du mois de mars euh, qui sera consacré à Anthony Starr. Retour sur toute la carrière d'Anthony Starr, de ses débuts jusqu'à Banshee, en passant par The Boys. Euh, Anthony Starr, autopsie d'un acteur sous-côté. Ce sera le titre de la vidéo Récit d'un roi sous-côté euh... Donc, euh... Donc on, va... on va se faire ça Il l'a téléchargé où Ah ça je sais pas il m'a pas dit Moi je sais que je télécharge sur T-Rexo mais euh... Mais je sais pas lui il m'a pas dit Mais sur t tu vas le trouver sans problème Je te conseille la nouvelle vidéo de Johnny Harvey euh... Johnny Harvey Johnny bah c'est Réservoir Vlog Il s'appelle plus Réservoir Vlog maintenant vas c'est Réservoir Vlog, ouais, bah t'appelles le Réservoir Vlog, alors Johnny Harvey. <laughs> oui, on sait qu'il s'appelle Johnny, mais je me dis, attends, qu'est-ce qu'il a sorti aujourd'hui Oh oui, Brendan Frazier et eh bah ben, voilà, bah je sais ce que je vais me faire là. Je vais cut et je vais me regarder. Oh, ouais, histoire d'un destin brisé, ça j'adore. Ça j'adore et c'est typiquement le genre de vidéo que j'aime bien faire, donc typiquement le genre de vidéo que je vais bien aimer. Il va parler de George de la jungle. Ah bah alors, celle-là, je, la... je vais même la partager après. Yes, euh, tu fais bien de me le dire, ouais, Réservoir Vlog t c'est ça, Johan, ouais. Moi, je les prends là-dessus, en général. Bon, sur ce, je vous laisse à tous une excellente soirée. Merci d'avoir été là pendant les deux heures. Et à la prochaine live rediffusion, normalement demain. Bisous.